Bonsoir, depuis Studio 4, la voix de l'Amérique dans Washington. Moi, c'est Jacqueline Belizère. Un plaisir. Et l'autre fois encore pour nous ensemble pour nous présenter un programme dans la langue créole haïtien. Quelques grands points cap dominé actualité. Actualité haïtienne aux États-Unis, manifestation haïtienne en New York contre ancien président Donald Trump avant rassemblement électoral dans Nassau Coliseum. En Haïti, gouvernement décrété 3 jours d'œil dans mémoire victime dans explosion camion gaz dans Miraguane. Et puis dans la région Moyen-Orient, puis précisément dans le Liban, chef Hezbollah Hassan Nasrallah reconnaît explosion mortelle qui fait dans Pedje à Kwakitoki. Dans ce maintenant, comme un gros coup, il pensait Israël dépasser les limites à travers l'opération Zahar. Et puis, gouvernement haïtien mettait sous pied un conseil électoral provisoire avec 7 membres en attendant que l'autre secteur décide de voir membres pour représenter dans l'institution électorale. Manifestation hier, manifestation haïtienne hier dans New York contre ancien président Donald Trump. Eh bien, il fait manifestation ça avant que ancien président Donald Trump ait gagné un rassemblement électoral dans Nassau Coliseum. Nous avons sous place Gary Altidor et Glorieuse Nelson. Nous, dans Long Island, New York, particulièrement dans Nassau County, côté ancien président Donald Trump, li a fait un rallye dans la date 18 septembre 2024. Les Haïtiens ont profité de rallye ça pour faire un rassemblement côté y a dénoncé différentes accusations qui tombaient sous doigt haïtien. Dernier jour, ça y a comme quoi ils mangeaient chien, ils mangeaient chat. Haïtiens qui rassemblaient là, puis ont dit non à discrimination, non à la haine. C'est une coalition de Haïtiens concernés qui rassemblaient pour permettre que que rassemblement ça possible dans Nassau County. Vérité après que vérité. Leur baille vérité faut entendre. Communauté haïtienne ensemble avec allié li yo réuni là pour baille la vérité. Et vérité hein, c'est que Donald Trump a baille menti dans déclaration fait contre haïtien. Donald Trump lied. Haïti pas faire, that's the first thing I'm gonna say. Haïti pas faire, baille menti. N'a prend soin petit tout, n'a prend soin maman, on nous prend soin grand nous. Nous travaillons dans l'hôpital, nous servons, nous aider pays ça. Et puis je dis c'est ça nous méritons? Non. M'a dit un seul bagaille, nous méritons respect. Mettez respect des nous haïtiens. Nous avons eu la chance de parler avec plusieurs participants qui étaient présents dans la rallye là. Et nous avons souhaité que l'ancien président américain Donald Trump mande la communauté haïtienne un pardon pour mentir avec mauvaise déclaration qui fait circuler sur eux. Ok, nous avons trouvé que si Trump vient bon ici à son côté de la haïtien, c'était un slap in the face. C'était un dérespectant que tout haïtien tu dois prendre la rue pour venir là, pour venir rencontrer Trump. Nous-mêmes haïtiens, nous bouquons, il faut suspendre l'haïssement ça. Il faut suspendre la mentir sur nous haïtiens. Il faut suspendre faire tout bagaille pour les déhumilier nous, pour les réduire nous. Il faut venir pour nous faire connaître qui est-ce nous en Haïti. Pour nous dire non assez, nous ne pouvons pas accepter ça encore. Pour nous révolter, pour nous demander Trump, bah, nous respect que nous méritons. Parce que nous sommes l'Amérique, nous construisons l'Amérique. Nous faisons partie de la construction de l'Amérique. Nous avons besoin de respect et nous avons besoin de... Pour M. Dino, I'm sorry, Haitians, for what he did. Moi, les Glorieuse Nelson, merci à Gary Altidor, depuis New York, pour La Voix de l'Amérique. Kemela, Haïtien, Kemela, Haïtien, Kemela, Haïtien, Kemela, Haïtien, Kemela, Haïtien, Kemela. Merci Gary Altidor, merci Glorieuse Nelson. Gen en pile l'autre réaction qui continue à tomber sous accusation que qui tombait sous dos haïtien yo en parlant de communauté haïtienne nan dans Springfield dans état Ohio et dans Washington même ou bien plus précisément dans Maryland. Et ben gen artiste qui yo même réagi dans occasion yon fête qui te gen par exemple gen Donald Z Theodore qui chanteur et Yves Joseph alias Fanfantibot qui c'est membre fondateur Tabou Combo, et bien, ils ont tous réagi sous situation haïtienne dans Springfield, dans l'État Ohio. L'IA, c'est dur, côté que nous connaissons le moment, ça. On pas qu'on a quitté le pays, contre eux-mêmes. Si tout bagaille était normal, là, quand nous, si nous avons un travail, si nous avons fonctionné, tout bagaille était normal, nous n'avons pas parti quitter le pays, nous, comme ça. Donc, tout le monde a déplacé en masse quitter le pays, nous. Donc, c'est une première douleur liée déjà. Et puis, mon yo vini, y a essayé de construire tête, y a travaillé, y a cherché place, y a
y a fait affaire. Il y a pas amélioré vie, il y a pas amélioré vie petit yo monde qui vient derrière et puis grosse accusation ça tomber sur yo. Yo nouveau dans environnement. Yo va même comprendre ça qui passé là, yo va même comprendre pour qui ça accusation ça. Donc bagan la série était tête frette. Connait pour qui ça nous déplacer, connait pour qui ça nous goumer. Fait ça tourner en force pour nous parce que gain de bagaille est arrivé, là gain de challenge, c'est toute vie qui plein challenge, OK? Donc c'est surmonter, j'en nous capable pas décourager, pas quitter nous intimider par qui est genre de stéréotype ça, genre de mauvaise perception ça qui a essayé bail de nous-mêmes et puis kembe là, kembe red. Parole ça saute dans bouche monde qui dit ça le vle, j'en vle, bon, en durée monsieur sont intouchable. Il fait ça le blé parce que monsieur fou quand dit américain dit il throw everybody under the bus le sali de deal. Donc moi c'est que haïtien c'est le moment pour nous et j'aime ça dit tout à l'heure pour nous et montrer que ça yo dit nous ya c'est pas ça nous ya. Et parce que haïtiens sont son peuple qui a venu ici depuis les années 1800 et haïtien 10% et docteur noir aux États-Unis c'est haïtien oui. Donc quand on va bêtiser haïtien parler de haïtien manger chien à manger chat à manger et bête à manger tout bas ça. Donc moi c'est que vraiment son insulte bah ça moi même me prend mal d'ailleurs nous font musique sous à soya. Nous pas manger chien, nous pas manger chat, nous pas manger bête. Donc c'était Yon après l'autre et Donald Z Théodore avec Yves Joseph alias Fanfan Thibault qui t'a réagi sous accusation contre haïtien surtout dans Springfield dans l'état Ohio. Actualité dans pays d'Haïti, n'a parlé dans Port-au-Prince côté gain réaction SPNH 17 sous dernière opération la police menait et Massado Vilmé gain détail. La conférence ça les bail journée jeudi 19 septembre 2024 là, porte-parole syndicat police là SPNH 17 Gary Jean-Baptiste dit opération la police a mené dans foyer gang yo pa bay résultat si pa gen matériel li a cité yo. Je dis on pa ka faire opération pour combattre gang dans pays a sans que ou pa gen hélicoptère, sans que ou pa gen support aérien, sans qu'on pa gen contrôle dans mer, ça relé contrôle maritime. Parce que opération li de fait pour gen contrôle aérien, support aérien avec hélicoptère, drone et sous la mer nous devons contrôler et pour nous capable opérer sous le plan terrestre. Dans l'opération, yo gien doit un plan d'évacuation en cas que un policier qui blessé de ça fait nous dit doit gien hélicoptère doit gien les véhicules et ambulance qui là qui disponible qui dispose un côté de manière stratégique pour transporter policiers à qui ta les victimes dans cas d'opération. Et ça fait SPN a demandé la police là c'est SPN non pour que l'opération soit plus bien organisée. Comme rappel dans la dernière opération, la police ensemble avec force multinationale a mené contre gang yo depuis mois août passé. Des policiers déjà perdu la vie et plusieurs autres sont blessés. Puis loin, porte-parole syndicat police l'a mandé pour la loi appliquée pour policiers qui ferment dans garde vie pendant le fait qu'on ait une enquête qui a mené tout sous arrestation inspecteur police Livenson Gauthier 13 septembre passé. Yo fait connait que commissaire li participer nan ça relé on assassinat hein c'est un monde assassiné et commissaire machine de sous place etc. Mais quand ça SPNH a mené enquête sur lui pour qui ça parce que mon bataille qu'a fait là sous terrain la presse de connait côté gon bon chef qui était à l'étranger pendant commandant Ramon vient de jeu yo retourné. Il y a même une grosse bataille pour venir boss. Dans le cas commissaire Gauthier, il a regardé le cas de près parce que il y a un pile d'informations qui t'a fait quoi? C'est des conflits internes qui fait que le cas a côté lié et nous-mêmes, au moment opportun, nous avons regardé la presse pour nous dire qui ça lié, qui ça nous joint. Toutefois, habitants de la commune Taba ont manifesté pour faire connaître le commissaire Gauthier agir dans l'intérêt de la sécurité. N'a empêché gang craser barrière vite l'homme innocent à diriger envahi commune nan. VOA Créole Port-au-Prince. Toujours dans Port-au-Prince, toujours dans le pays d'Haïti, 4 jours après, yon camion gaz explosé dans Miragouane. Mais dernier bilan, protection civile, il parlait de 27 morts à 42 blessés. Correspondant nous, Steven Aristide, visité quelques victimes dans Médecins sans frontières qui trouvaient dans la commune Kafou. 4 jours après, un camion citerne a explosé dans Miragouane. Selon dernier bilan protection civile,
Incident ça a fait un total 27 morts à 42 blessés. À mercredi, nous t'es passé visiter quelques victimes qui prennent soin dans le centre traumatologie Médecins sans frontières qui trouvent dans la commune Kafou. L'Ines Pétion, qui s'est une victime, fait qu'on est, lui fait mieux par rapport à Jean Lité avant. Il était tout profité de retracer l'histoire pour nous. Passé, nous avons passé son moto. Passé, et pas seulement de territoire. Nous avons petit, moi, qui n'a pas ça tout. Nous avons passé, nous avons pas le fond des nègres. Bouissou. Naël est là. Ici, bon, passé. C'est bon, ça, passé. Il est à frapper. On voit un seul bon à frapper. Un seul bon à frapper. Ouais, il frappe un bon ça. Ouais, bon ça va grand. Hein. Responsable centre Médecins sans frontières qui est dans Kafou, Rita Magando fait qu'on est. Il recevra 22 victimes qui prennent soin de la nécessité dans plusieurs centres dans la capitale pays. Là, nous sommes arrivés sur place, right nous avons fait un triage, nous avons comprendre. Toutes les patients qui venir dans l'ambulance. C'est pour ça que nous avons demandé aide pour nous capables venir à quelques patients. Et de l'autre côté, Kenol Thomas est une autre victime déclarée. Il y a un petit cousin qui boule et qui mourit sans pas même être arrivé à l'hôpital. Il continue pour le dire, il y a deux voisins qui mourit. Je suis Kenol, mon machine gaz, je ne vais pas regarder. Mais c'est un temps privé comme ça. Devant cette machine, bon, il fait tout éclatant, mais c'est pire que je vais regarder. Je ne pas gagner la cour. Je ne suis tourné côté de mon Dans un conseil des ministres qui était fait hier mercredi 18 septembre, le gouvernement Gaye Koni l'a déclaré. Lundi 23, mardi 24 et mercredi 25 septembre, c'est journée d'ay. Dans mémoire victime explosion camion citerne qui était fait dans la ville Miragouane samedi qui était 14 septembre 2024. Là. Moi, c'est Steven Aristil depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Merci Aristil. Et depuis quelques jours, là, gagné un conflit entre Calico Beach ou bien en Digicel plutôt avec Calico Beach, eh bien gouvernement finalement en parlant de conseil présidentiel transition, eh bien entrer dans la question, nous parlons des détails avec Yves Manuel. Depuis plusieurs jours, Digicel et responsable Calico Beach yo nan ou nou sou accès à un site stratégique qui héberge fibre optique qui est essentiel à bon fonctionnement centre données opérateur télécommunication ça. Différent ça entraîné une panne internet qui affecté plusieurs utilisateurs à travers pays. Situation prend un tournant côté madian Leslie Voltaire, conseiller présidentiel convoqué une réunion en urgence avec acteurs télécommunication yo qui gen la donne Digicel Natcom Konatel avec ministère travaux publics. Réunion ça te gain pour objectif joindre solution rapide avec panne critique ça. Face à impasse ça, gagnent policier avec un juge de paix qui accompagne technicien Digicel yo qui dépêché sur place. Objectif là c'était permettre avec équipe là gain accès à site là pour capable faire réparation qui nécessaire. Selon une source proche conseil présidentiel transition, exécutif là envisager déclarer site en question comme zone utilité publique en raison de importance infrastructure pour sécurité nationale. Depuis 14 septembre, il y a plusieurs abonnés Digicel qui signalaient perturbations qui gagnaient dans le niveau connexion internet. Pendant une intervention publique, semaine ça, directeur général Digicel Jean-Philippe exprimait frustration face à refus responsable Calico Beach pour autoriser accès à site pour réparer câble qui endommagé. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Oui, ou toujours sur VOA Creole, observez un programme dans la langue créole haïtienne. Actualité internationale là, dans un petit moment. Et pourtant, actualité internationale, ta communauté annoncé le Mercedes qui a toujours été branché. Eh bien, dans la région Moyen-Orient, chef Hezbollah, Hassan Nasrallah, lui reconnaît explosion mortelle qui fait dans Pidje avec Wokitoki pendant ce maintenant. Eh bien, c'est un gros coup et il dit que Israël dépassait limite à travers opération Sayo, Sandra Lemaire. Leader Hezbollah a déclaré série attaque qui visait appareil communication groupe là, c'était un gros coup qui traversait une ligne rouge.
Hassan Nasrallah, dirigeant Hezbollah, s'est menté jeudi pour groupe-là continuer à attaquer Israël chaque jour, malgré qu'aucun attaque Israël sous appareil communication LIO. Lui dit, nous prend au coup sévère, mais c'est comme ça la guerre a conflié. Nous connaît l'ennemi noir, gain supériorité. Et nous pas jamais dit rien qui passe ça. Il y a une supériorité dans la technologie parce que c'est pas seulement Israéliens qui a attaqué nous, mais tout gain Américain avec l'Occident, avec l'OTAN, avec tout. Hezbollah tiré drone sur Israël mercredi à jeudi matin. Dans sa assemblée aussi que groupe là a géré attaque contre Israël pendant le conflit israélo-Hamas là. Hamas c'est un allié Hezbollah. Ministre de Défense israélien Yoav Gallant dit que Hezbollah va payer un gros prix dans le moment où Israël a cherché à faire citoyens liés passer sous frontière pour tourner la caillou. Il dit pendant le jour qui passe, nous avons une série de discussions importantes. C'est une nouvelle phase dans la guerre, qui donc a une opportunité, mais tout a un bon risque. Hezbollah sentit que nous avons persécuté et la séquence d'action militaire a continué. Galanti, l'objectif, c'est assurer que la même communauté a retourné la caillou. N'a pas rappelé que dans une opération que en pile monde quoi c'était travail Israël plusieurs centaines beepers à walkie-talkie que Hezbollah t'a utilisé t'a sauté au moins 32 monde mouri parmi eux 2 timoun et puis 3000 blessés. Pendant ce temps, le secrétaire d'État américain Antony Blinken, qui a visité Paris, a parlé sous conflit Liban pendant une conférence pour la presse à Tokaili Stéphane Séjourné. There is a real problem that needs to be resolved when it comes to northern Israel and southern Lebanon. Il dit qu'il y a un vrai problème qui doit jouer une solution concernant Nord Israël et Sud Liban. C'est le fait que depuis 8 octobre, Hezbollah a tiré canon sous Israël et puis Israël répond à attaque ça. La population tous les deux pays est obligée de courir quitter Kayo. Nous tous t'aimons voir tourner la Kayo. Et pour sa fête, force gain sécurité. La France et les États-Unis croient dans ça avec toute force nous. Et nous travaillons ensemble pour résoudre le conflit avec diplomatie et puis nous cherchons à joindre un accord qui t'a créé les conditions de sécurité pour Mounio tourner la caillou. C'est ça que nous avons discuté aujourd'hui. Assemblée générale de l'ONU exigeait pour Israël suspendre présence injuste dans Gaza et Cisjordanie. Anissa, et puis demander pour des sanctions et puis un embargo aux armes sous pays. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Merci Sandra. Et puis, visite secrétaire d'État américain Antony Blinken dans le pays de la France. Retenu, attention, Marie-Luce Pierre. Après les fils rencontrés avec l'autorité pays d'Égypte, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a averti sous risque a grandi pour conflit augmenté et après une série d'explosions Hezbollah qui a saisi la région. Nouvelle explosion a été pétée dans un moment gros diplomate américain qui a voyagé dans la ville Caire pour rencontrer gros autorités égyptiennes qui était espéré avancer et fort pour sécuriser un accord cessez-le-feu dans Gaza et puis améliorer relations avec l'Égypte. Blinken a dit pendant la visite li dans le pays de l'Égypte qu'il était concentré sur sécuriser un accord cessez-le-feu qui apportait un calme dans la situation qui est la frontière nord-israël avec Liban et que toute partie concernée était d'accord à 15 sur 18 paragraphes qui gagnent un accord. Dans la ville Caire, Blinken a rencontré avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et ont discuté non seulement sous conflit à Gaza, mais tout sous effort pour améliorer relations bilatérales entre États-Unis et pays l'Égypte. Autorité pays l'Égypte ont joué un rôle important comme courtier chita parlé en Hamas avec Israël. Blinken rencontré avec le ministre des Affaires étrangères de la France, Italie et Grande-Bretagne pour discuter sous Moyen-Orient avec l'Ukraine avec l'autre problème dans la ville Paris jeudi d'après sa une autorité département d'État a dit. Blinken pourra rencontrer tout avec le président français Emmanuel Macron, toujours d'après autorité. Marie-Luce Pierre, VOA Creole, Washington. Merci Marie-Luce Pierre. Nous prenons l'actualité électorale là, ici aux États-Unis. Règlement pour contrôler la parole sur Internet là. C'est un thème, quel que soit candidat qui remportait l'élection novembre ici aux États-Unis, a gagné
pour considérer. Jean-Robert Philippe dit nous tout, parmi GFOYO, c'est modifié section 230, loi 1996 là. Jean-Robert, donc ça veut dire son loi que, mais quel que soit le monde qui monte, que c'est Kamala Harris ou bien ancien président Donald Trump, il y a bien pour considérer selon loi ça. Oui, effectivement. Et loi ça, quel que soit c'est démocrate ou bien c'est républicain qui monte, eh bien, il n'y a pas de pour faire face avec lui. Mais il y a un peu d'inquiétude, Jacqueline, qui a déroulé pour que les compagnies qui ont une plateforme ou bien qui ont des médias sociaux ne peuvent pas utiliser les médias pour mettre des babouquettes soit sous candidat eux-mêmes ou bien tout électeur eux-mêmes. C'est là que c'est une inquiétude. Et c'est GFOS qui a fait pour si on est capable d'éviter le problème ça. Avant d'y trotter. Would you like now to est-ce qu'on t'a présenté to... excuse pour ce faire? Si il y a un bagage côté deux grands partis politiques dans le pays, Antonio, démocrate et républicain, c'est que compagnie médias sociaux doit changer de façon d'opérer. Quel que soit le candidat qui a emporté course pour Maison Blanche en novembre, semblait qu'il poursuivre l'objectif là. Candidat parti républicain Donald Trump déclaré non pas gagner un pays libre si ne pas gagner liberté la parole. Sur site internet équipe campagne parti républicain, candidat a fait connaître premier amendement constitution États-Unis garantit droit liberté la parole. Quelques compagnies médias sociaux violé droit ça. Après attaque 6 janvier 2021 sur le local Congrès américain, ancien président est tombé en bas interdiction temporaire pour pas poster message sur quelques sites médias sociaux. Ancien président Trump déclaré on my inauguration as president, immédiatement après mon fin prêté serment comme président, moi pral mandé Congrès pour déposer une proposition loi qui a révisé section 230 loi ça pour faire gros plateforme en ligne suspendre mettre babouquette sur monde. Section 230 là fait partie loi 1996 sur ça qui acceptable dans communication qui c'est un élément fondamental dans processus pour établir internet nous connaît journée jeudi à. It actually empowers platforms to be able to moderate. Brenji Noniki, directrice laboratoire politique technique dans l'Université de California à Berkeley, déclaré loi ça a vraiment baille plateforme au pouvoir pour être capable de modérer et puis retirer texte sans aucun risque pour être apporter responsabilité pour ça. Jodia, nous entend des paroles qui parlent comme quoi plateforme ça a violé le premier amendement constitution. Cependant, le premier amendement appliqué seulement laisse le gouvernement cap supprimer la parole. Plateforme SAYO, c'est une série de groupes privés et comme groupe privé, il y a un droit que le premier amendement en bas. Tu as une série de tentatives qui t'ont fait pour essayer de réviser section 230 loi, mais qui t'ont échoué. Après suspension qui t'ont bloqué contre médias sociaux trompés en 2021, Floride à Texas, d'État républicain t'ont voté proposition loi pour limiter la capacité de compagnie médias sociaux pour superviser discours politiques sur site PAYO. Mais loi ça yo te suppose en 2024 les cours suprêmes États-Unis ont décidé que compagnie média yo gain droit pour prendre décision sur ça qui passait sur plateforme yo sans gouvernement pas mêlé dans ça. En 2022, vice-président Kamala Harris a lancé un comité dans Maison Blanche pour discuter sur problème là. Dans un message sur suspens, Kamala Harris déclaré hate Raïssement vient tellement courant sur Internet là que société noire vient nous relier tout à fait normal et que quelques utilisateurs ont dit que gagner quelques paroles que nous pas qu'à éviter. Pour qu'on y a, doit compagnie médias sociaux gagner pour contrôler l'article qui a passé sous site, il aurait été en place. Mais pour un pile politicien et citoyen, question pas semblé dissoudre pour jouer une solution. Jean-Bert Philippe, VOA Creole, Washington. Eh bien, qu'on a ce jeudi, nous pourrons passer dans Parole Femme et puis inviter nous aujourd'hui à ce docteur Marie-Flore Lindor La Tortue. Docteur Marie-Flore Lindor La Tortue, yon professionnelle haïtiano-américaine, yon spécialiste en éducation et dans leadership, yon leader communautaire, t'es trouvé parmi 2700 délégués qui confirment le choix Kamala Harris à Tim Walz pendant la Convention nationale Parti démocrate à Chicago, État Illinois, comme candidat pour président et vice-président dans l'élection novembre. Ça tourne presque yon habitude pour Docteur La Tortue pour participer à la Convention Parti démocrate là. C'est troisième convention, moi, et moi là.
parce que faut que nous là, faut d'abord nous pas jamais fait back à pratique démocratique là. Et moi-même, moi on démocrate depuis 20 ans. Et bien moi continuer et moi présent. Moi fait 2008 Obama, moi fait 2016. Américains d'origine haïtienne de plus en plus présents dans la politique américaine, nan, côté chiffre a augmenté en termes de quantité délégués dans seulement convention parti démocrate. La. Nous sommes de 3 à 8, son gros progrès, là, tout État Floride, là, nous présents et nous excités que nous sommes capables de participer au processus. Là. Et dans toute convention, yo, honnêtement, Franklin, pour moi-même, ça, c'est le plus belle. Et pas belle, non, elle est plus importante parce que convention, ça, n'a pas défendu la démocratie. Pour Obama, personne n'a pas d'expérience. Tout le monde a parlé de espoir, espoir. Pour Hillary, nous avons cherché pour une forme de nomination. Mais à soi, la fête. À ce moment-là, je me suis dit que là, n'a pas fait histoire quand même. N'a pas, en tant que délégué, permettre que gagne une femme d'origine noire, une femme d'origine asiatique, qui pour venir premier président des États-Unis. Comme délégué pour parti démocrate là, docteur La Tortue lui-même conseiller pour moun kap voté ou konnen pour qui ça a jeté un bulletin, que c'est pour parti démocrate là, que c'est pour parti républicain. Moi même là m'a voté, me connais me voter pour femme, pas vrai? Me voter pour droit femme. Les m'a voté, moi voté pour éducation. Ça veut dire que m'ta remet que tout le monde a droit à éducation. Les m'a voté, moi voté diversité parce que m'ai pas capable moi sortir en Haïti et puis pour moun yo penser c'est parole seulement gain droit. Ça veut dire que m'ai voté inclusion, diversité, femme et puis m'ai voté éducation. Ça veut dire que c'est vote moi oui qui pour faire que moun nan m'a mettre sous pouvoir, définir sa voix m'vle. Et l'elle pas bali tout ou déjà connaît m'la manifestation m'déchouquer. Pour docteur La Tortue, ça qui passe dans convention Chicago, c'est un symbole rassemblement, c'est une pratique démocratique qui t'a doit représenter un modèle pour le pays d'Haïti. Moi, je voulais haïtien, frère et soeur, je garde un exemple. Premier juin, ou gagne Joe Biden, il fait une passation de pouvoir. Deuxième juin, ou gagne Obama à toute madame. Troisième juin, ou prend Bill Clinton. Qui de nous-mêmes n'a fait pratique ça? Pratique de rassemblement de nos présidents, de pratique d'éviter corruption, pratique de faire pour nous gommer, pour liberté, pour voir nous, pour protéger sa constitution en mandé. Docteur Marie-Flore Lindor La Tortue, yon professionnel haïtien. Américaine. Voilà, c'était Parole Femme et segment qui passait chaque jeudi à l'ESA sous VOA Creole. Nous avons dit que dans l'actualité, a tout gagné leader opposition vénézuélien Edmundo González Urrutia, candidat qui était fait face à président Nicolas Maduro dans l'élection 28 juillet, qui dit hier mercredi 18 septembre 2024, l'été obligé signer yon lettre pour accepter yon décision pire au tribunal Venezuela qui reconnaît Maduro gagné élection 28 juillet 2024 là. Et puis yon gros artiste en parlant de PDD, eh ben lui-même la justice mettait accusation criminelle sous dol, eh ben la justice américaine décrit un coup trafic sexuel. Nous va gagner plus de détails dans yon l'autre édition et rendez-vous info. Nous disons merci pour attention, nous merci pour fidélité nous. C'est un plaisir l'autre fois encore pour te servir. Pas oublier jeudi, c'est jeudi, demain c'est vendredi. Donc nous déjà presque arrivés dans le week-end. Nous disons merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Et puis suivre et pas oublier suivre VOA Creole parce que nous gagnons l'autre surprise pour nous encore parce que à partir de lundi, n'a quitté Studio 4 et n'a non l'autre studio. Et n'a pas plus de détails sous question ça parce que année 2024 là, c'est une année électorale ici aux États-Unis, mais son année de surprise tout dans VOA Creole qui toujours voulait offrir ça qui pis bon. Merci pour attention, merci pour fidélité. Nous remercions tout le monde. Bah, connaissez si c'est de Great Starling qui est là ou bien Franklin. Et puis Starling, de Great Starling, merci. Et puis Rob McLean Zameno, merci. Et puis Jean-Marc Hervé Abela. Et puis Fred Gaimit, posez net. Moi, c'est Jacqueline Belizer. Donc, rendez-vous demain pour un autre rendez-vous.
Jean que nous connaissons déjà, zaméter notre nouyo, que c'est une véritable obligation qu'on va être nous, à chaque fois que vous m'en demandez, pour que, et pour nous capables d'analyser ça qui est comme information. N'a dit que la police nationale d'Haïti, parce que c'est pas nous qui avons fait, c'est eux qui gagnent le public. Yo mettez dehors sous page officielle yo, sous page officielle yo, pour dire que différents cadres opérations que la police a mené, yo t'a démantelé, yo t'a crasé plusieurs cailles dans niveau la saline qui t'est conservé comme cache-cache libé bandio pour attaquer APN, pour attaquer camion conteneur qui a sorti en dedans APN. C'est ça que la police fait qu'on est. C'est ça que force de l'audio yo fait qu'on est dans page officielle la police nationale d'Haïti. Et eux mettez cette vidéo dehors. Kounya n'a dit que entre ça la police dit hein, avec peut-être si tu as des témoignages qui ça qui kembe comme vérité. Mais puisque la police rend public un ensemble de vidéos qui montrent que policiers yo en opération, yo en mode opération qui donc nous-mêmes nous capables chita sous ça et pour nous parler, pour nous dire exactement mais qui sa situation les mêmes liées. D'après la police, fandi bien. D'après la police nationale d'Haïti, pas d'après nous-mêmes. Parce que c'est eux-mêmes qui mettaient information publique. C'est eux-mêmes qui mettaient information au dehors. Et le fait que mettaient information publique, ils mettaient information au dehors, eh bien, nous-mêmes comme journalistes, nous-mêmes comme directeurs d'opinion, nous n'est que pour nous que pour devoir partager ça avec nous comme information et puis analyser yo et faire comprendre plus bien ça qu'a dit yo et faire comprendre plus bien ça gagne comme information yo. C'est travail moi ça que désir venesse. OK. C'est à chercher information côté lié hein et puis porter le ba nous. Aller dans vrai source là, à chercher dans source normal là. Et puis, poter le banou. Ça, c'est travail, moi, avec Désir Venesse. Et je dis, hein, les nous venons avec ensemble de informations, ça yo. Les nous venons avec ensemble de détails, ça yo, pour nous. Non, ça qui est pour avec question et sécurité. Ça qui est pour avec question ensemble de disposition. Et les nous venons, toi, avec ça qui dit, bon côté citoyen, yo. Qu'a demandé pour que la sécurité, qu'a demandé pour que la paix en notre pays, qu'a demandé ça, qu'a demandé pour que la sécurité, qu'a demandé pour que la paix en notre pays, qu'a demandé un lot Haïti, qu'a demandé changement pour Haïti, qu'a demandé pour que de disposition, pour que de action posée pour résoudre la sécurité. Laisse à moi même avec Désir Venesse, les nous venons là, nous venons analyser. Nous venons questionner, nous venons aider à comprendre plus bien ce qui a passé en un pays. Parce que je dis à l'épisque important. Yeah. L'épisque important pour que nous analyser, pour que nous garder, pour que nous questionner ensemble avec nous, ça gagne comme information. Ah oui. Très, très important. Pour nous garder, pour nous questionner, pour nous analyser et pour nous réfléchir ensemble. Pour nous ça gagner comme information. Et je dis, m'a dit que moi comprendre attendre chaque haïtien. Moi comprendre attendre chaque grain de monde. Et même si là aucune diaspora. Ouais. Même si là aucune diaspora, oui. Moi comprendre attention.
Mais comprenez la tête, yo. Vous comprenez la tête, yo. Parce que je dis, hein, ça que je veux que vous compreniez, que pas de haïtien qui vivent en Haïti, pas de haïtien tout qui réside à l'étranger, qui est dans la diaspora, pour que ça qui passe à Haïti, hein, li pa gen impact sou li. Et si menti, n'est pas on a en bas émission ça dit menti. Et même moun ki prétend que même moun ki bay zam ki bay katouche avec jeune garçon et jeune femme sont dans ghetto, jodi on pas fouti dim que conscience ou pas calé yo. Conscience ou pas reproché yo. Parce que les ap gade pour 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 000 dollars américains, que jeune garçon sa yo a détruit, a boulé toute une population, et ceci dit, nan moun y a touye, nan moun y a violé, nan kay a détruit, nan bisis a boulé, yo pa fouti dim que, quand même pa gen un proche yo, soit de près ou de loin, ki victime, kap victime de action bandi yo, yo pa fouti dim pa gen sa. Il va vous dire mais il va comme une victime de ça. Et même les qui ont pas tagué un proche qui t'a victime de ça, soit de près ou de loin, mais les regarder que à conscience yo, yo est que dans qui état, dans qui situation que yo mettait pays ça, dans armée de jeunes garçons en le ghetto, hein, bah c'est que les ont été faut de l'eau couler dans géo. Les réalités, faut qu'ils réfléchissent pour qu'ils disent, ah, nous faisons payer ça au gros tort. Ah, regarde dans qui niveau nous mettons payer ça. Regarde les méchanceté que nous faisons payer ça. Regarde les méchanceté que nous faisons payer ça. Moi, c'est certain que vous dites tout ça. Moi, c'est certain que vous dites tout ça. Ah oui. Parce que je dis, hein, que dans les gens que pays après aller là, presque parité Haïti encore. Ah oui. Presque parité Haïti encore. Et moun ki a viv Haïti nan moment, y a résisté. Et ben résistance et nèg vivant ensemble non. D'ailleurs c'est eux même qui mettait pèt nan ça avec bon avec bonne bandi à cravate yo. Parce que les qui me dans des barbecue qui dit comme ça oh et vivre ensemble a fait résistance. Mais oui. Mais oui. OK. Faut nous faire résistance même monsieur. Faut nous faire résistance même. Parce que nous t'ai dit que n'a fait révolution. Nous t'ai dit que n'a craser système. Nous t'ai dit que n'a craser système. Alors que nous connaît vrai qui est-ce qui met système là. Nous connaissons qui est-ce qui s'est gardé système, non? Nous connaissons qui est-ce qui s'est mettre système, non? Nous connaissons qui est-ce qui s'est boué au système, non? Et au lieu que c'est là pour nous aller, nous allons augmenter situation moun qui s'est déjà victime système, non? Qui s'est peuple haïtien. Et ça nous fait là. Ah oui. Hmm? C'est même moun qui se victime système nan oui. C'est même moun qui jodi un système nan météo à genou. Système nan météo à zéro. C'est eux même encore oui que même équipe vive ensemble barbecue c'est à la fois porte-parole et président l'a parlé, li di lié. C'est moun sa yo encore oui que équipe sa mette à genou. Équipe sa vini renforcer mette nan plus misère, nan plus calamité, nan plus souffrance oui et même encore oui. Parce que je dis, hein, barbecue dit la palais. Ah oui, lycée Toro. Li va mourir sa palais. Mais que barbecue palais? Il te commencé à parler. Il te commencé à dire, mais qu'est-ce qui te relève ou l'air? L'être à le casser si, l'être à le faire ça. Mais que le continue à parler? Et je dis, hein,
mais pouvoir en place là mettez campé ça relé une commission de vérité pas vrai yo mettez campé une commission de vérité pas vrai eh bien commission de vérité ça qui gagne plusieurs membres là-dedans et parmi membres et président gagne Gadi Maisonneuve qui c'est un défenseur des droits humains responsable Sainte Carole Lévêque mais que jodi hein tout bandit criminel à sa patte qui va parler avec commission de vérité hein pendant déposer zam yo y a rendre tête yo bay autorité yo et y a parlé avec commission de vérité hein y a dit mais qui est-ce qui va aux zam mais qui est-ce personne mais qui secteur mais qui groupe qui va aux zam et jodi hein qui vient mettre pays en un niveau que là parce que laisse à payer en tape qu'on est qui est exactement. OK? Paysan société hein. Il tape qu'on avec qui est-ce qu'on a fait? Mais tout autant que c'est Dibabe qui a dit. Et S'il a dit ça. Mais tout autant que barbecue, c'est comme ça lui-même l'a parlé, l'a dit. M'a seulement dit que, ça que barbecue a parlé, il n'y a pas rien de vérité parce que, pour ça, il n'y a pas tout dit, yo. Vous savez pas tout dit, yo. Tout dit c'est Jean, tout dit c'est Pierre, tout dit c'est Jacques. Et commission vérité, en tout le sem, dit nous. Faut nous al parler tout avec et commissaire, moun qui était dans CNDDL, hein? Les gens rebelles d'Orsena, mettez avec de l'autre moun qui dans CNDDL, qui fait partie CNDDL. Yo, important pour nous parler avec vous. Il est important pour nous parler avec eux. Parce que yo connaît qui est ce monde. Yo connaît qui est ce groupe qui va zam avec monsieur Sayo. Yo connaît. Yo connaît qui est ce qui va zam. Qui est ce qui armé jeune garçon ça dans ghetto. Des jeunes de Sénat et dit sur plusieurs médias. Gè au moins 11 à 12 familles. Qui ne commet zam en un pays. Mais qui est 11 à 12 familles sa yoye? Jusqu'à présent, nous ne connaissons pas. Par contre, qui est yoye? A part de famille, comment la ko qui s'en va songer? Qui a été arrêté? Mais la question bagay sa. A part de prêtre l'église anglicane? A part de quatre pasteurs qui ont arrêté? La question contenu zam kap entre sa en un pays. Et après ça, ça suffit? Est-ce que ça suffit pour que c'est seulement moun sa yo qui jwenn arrestation yo? C'est seulement moun sa yo pour nous dire que qui responsable de situation Haïti qu'on est là? M'ba kwè c'est moun sa yo seulement qui ta responsable de situation Haïti qu'on est là? M'ba kwè ça. Moi doute très fort que c'est à moun sa ou seulement. Moi doute très très fort que c'est à moun sa ou seulement. Et je dis, hein, si vraiment nous besoin qu'il y ait une solution, nous besoin qu'il y ait une solution avec question et sécurité, hein, l'important pour nous faire appel. L'important pour nous dire clairement que tout secteur, que tout acteur, que tout groupe organisé qui est engagé dans coller les épaules, qui est engagé dans faire coude à coude pour qui je, qui façon pour aider à résoudre ça qui est là comme insécurité. Aider à résoudre
ça qui est là comme situation. Aider nous à résoudre ça qui est là comme problème. Parce que sinon, quelques soient tes journalistes, quelques soient tes citoyens, dans quelques soient secteurs que vous sortiez, vous avez toujours été dans la dimension pour dénoncer, pour critiquer, pour demander l'État, pour demander l'autorité, pour demander bandit à sa patte, pour demander bandit à cravate, libérer pays ça, bah pays ça une chance. Est-ce que vous comprenez? Je dis, hein, moins vle que. Ok? Je dis, hein, moins vle que. Chaque monde comprenne que chaque secteur comprenne. Libérer Haïti, hein? Changement Haïti, hein? C'est engagement moi-même, engagement désir, engagement toute équipe, mais sac nouvelle, hein? Engagement tout secteur, engagement peuple haïtien, hein? Engagement si là ou qui dans la diaspora. Engagement tout pour nous forcer, pour nous demander avec communauté occidentale. Là. Ah oui, il faut demander où ça. Communauté occidentale. Là. Que vous tout ensemble, que vous mettez, que vous prenez de engagement, que vous prenez responsabilité, nous permettre que nous aider à résoudre. Nous permettre et aider à résoudre ça qui est là comme situation de sécurité. Mm-hmm. Parce que je dis, hein, plus gros fléau qui a mangé société, hein, plus gros fléau qui mettait Haïti à genoux, et qui je dis, hein, là, finit avec tout espoir jeunesse, là, qui gaspille avenir paysan, qui déjà commencé à passer dans bêtise, dans rance, exploite Simon yo. Je dis, hein, m'ble que nous comprenne. Je dis, hein, m'ble que chaque secteur comprenne que Haïti, ça que nous voyons. Que vous voulez reconnaître comme pays ou vous voulez reconnaître comme nation, comme haïtien ou bien haïtienne, eh bien, on fait effort pour nous retirer Haïti ça dans la calamité, dans la souffrance que l'il y a. On fait effort ça pour nous retirer Haïti ça dans la souffrance. Dans la calamité qu'elle trouvait jeudi et jeudi. Et je crois que, depuis que volonté, hein? Ah oui, depuis que volonté, hein? N'a retiré Haïti ça, dans la misère, dans la souffrance, dans ensemble problème que la connaît là. Volonté seulement pour nous gagner. Hmm? Volonté seulement pour gagner. Et depuis que volonté, on met quand la retirer la donne. Je dis en, bravo, en plus, mon abdi, avec haïtiens qui aux États-Unis, soit qui dans diverses villes, dans diverses states aux États-Unis, qui décidaient, j'y ai même, prend au sérieux. Ensemble de propos, ensemble de discours, ensemble de déclarations discriminatoires, dénigrement qu'a fait contre haïtiens qui vivent mais qui résident aux États-Unis. Et je dis, hein,
ça que me le que en pile là nous comprendre c'est pas première fois que gèjè de discours ça sur si nous monter dans l'histoire si nous aller archive c'est pas première fois non gèjè de discours ça yo qu'a fait contre noir et contre immigrants haïtiens aux États-Unis. Dans les années 90, nous songez. Question pour 10 maladies, sida, wagay ça. Non, histoire ça. Et plusieurs millions noirs, mais t'es immigrants, presque haïtiens, en pile dans yo, t'es prend la rue. Nous songez ça. Gros manifestation dans New York. Gros manifestation aux États-Unis. Nous songez ça, va vous? Mais il n'y a pas première fois, non? C'est pas la première fois ça arrive. C'est pas la première fois ça produit aux États-Unis. Alors que le président Biden se dit bien clair, il dit États-Unis sont pays c'est immigrants qui fait. Et force États-Unis c'est sous immigrants liés. Et pas moi de dire. C'est Joe Biden qui dit, actuel président États-Unis. Je dis force États-Unis c'est immigrants qui fait. Et c'est immigrants qui c'est force États-Unis. Pour me répéter Joe Biden. Hmm? Pour me répéter Joe Biden. Ça fait lui demander pour le dire avec actuel candidat et ancien président Donald Trump pour le camper avec propos ça yo. Camper avec déclaration ça yo. OK? Parce que la mété États-Unis État, c'est plusieurs États. C'est plusieurs États dans plusieurs dimensions, plusieurs réflexions, plusieurs analyses qui fait États-Unis. Et sous gardé en pile dans de grands, soit ancien président qui passait comme président démocrate, comme président républicain, en pile dans yo. Des sénateurs, des députés, al gardé origine yo. Al gade wapwe, c'est de moun, yo c'est des immigrants, parents yo c'est des immigrants. Parents yo immigré États-Unis pendant des années, et yo même yo vin fête États-Unis, yo vin petite terre. Mais soit li, yo vin droit du sol, mais soit li dans le sang, ou ka di, yo pas américain natif natal. N'est pas oublié, les premiers habités aux États-Unis, selon l'histoire, c'est les Indiens. C'était les Indiens. Oui, ce sont les Indiens. Donc, je dis, hein. Et sous même temps, aller sous Donald Trump, il y a des grands passés par un libre après. Qui est sûr? Il y a des qui est sûr? C'est non plus le monde. Donc, je dis, hein. En plus, le monde dit que États-Unis n'ont pas de place pour ça. Place, discours, discrimination, discriminatoire, dénigrement, bagage ça. Je dis, États-Unis n'ont pas de place pour ça. Yo. États-Unis pas de place pour ça yo. OK? États-Unis pas de place pour ça yo, c'est pas moi qui dis, c'est eux qui dit. Et je dis hein, en pile haïtien dans Long Island, yo t'ai manifesté dans date qui était mercredi 18 septembre là. Eh bien côté encore, y a le poté tout support yo, y a le poté tout bout radio by de haïtien. Bay haïtien communauté haïtienne mais il y a peut-être tout support autour bay communauté noire qui aux États-Unis mais communauté immigrant qui aux États-Unis même comme ça et n'a pas songé dans l'histoire t'es comme George Floyd qui nous songé que policier Derrick comme ça c'est m'a trompé t'es metté pied sous genou sous coule monsieur moi c'était en 2020 c'est m'a trompé malgré monsieur dit l'a tout fait pas capable encore. Police a été style qui te piel sous coup, monsieur, jusqu'à ce que monsieur te mouri. Et nous connaissons, ça te bouleverse États-Unis. Ça te mette États-Unis dans un véritable bouleverse. Hein? Et donc, est-ce que je dis, hein, monde là, États-Unis, comme qui c'est jusqu'à qui c'est plus grande puissance mondiale, hein? Je dis, hein, est-ce que nous sommes capables d'accord que. Quel que soit tes immigrés, quel que soit tes résidents États-Unis, quel que soit pas résidents, quel que soit mes déboussés haïtiens, est-ce que nous sommes d'accord que je dis hein, pour que
genre de parole ça yo a mettez communauté haïtienne a mettez communauté noire mais communauté immigrant qui résidait aux États-Unis dans des situations difficiles dans des situations compliquées. Est-ce que nous capables accepter ça? Est-ce que nous capables continuer à vivre genre de réalité ça yo? Je dis à moi que OK. Je dis à moi que chaque monde, chaque haïtien, chaque monde doit être conscient et doit reconnaître que engagement qui doit porter engagement il doit prendre dans aider résoudre OK engagement dans aider résoudre ça gère là comme situation parce que on m'a dit me sauver on m'a fait me comprendre sauver est-ce que j'aime de je dis ça. Est-ce qu'il y a d'accord vraiment par rapport avec j'ai des situations sérieuses. Parce que pays ça. Mais j'aime toujours dire. OK. J'aime toujours dire. Gens que nous toujours dire. Si la ka été bon mais gen de quoi pour nous dire si la ka été bon et gen de quoi pour la ka été bon parce que 220 l'année nous indépendants mes amis je dis si pas gen un complot te fait contre sur Haïti si pas gen communé sur te fait sur Haïti après 220 l'année mes amis nous pas droit dans ke camionnette là pour après les yo gagne non. Ah oui. Si pas gen un complot te fait contre Haïti, sur Haïti. Pas ta doué après 220 l'année pour que nous nan ke camionnette là après les yo gagne. Parce que m'bon c'est que établir un projet de société, établir un projet de développement pays. M'bon c'est pendant 220 l'année. Mon cher, m'ba di non, mais Haïti t'a opéré de rêve. Que en pile étranger, t'a remé à visiter pays nek sa, pays noir sa. Et qui tracé l'exemple l'indépendance. Et qui aide en pile pays, prend l'indépendance. Et même ta États-Unis là, parce que nous te voye de soldats, nous te voye de héros, vin aide ou nan bataille pour prendre l'indépendance yo. Je dis, hein. Faut nous dit bien. Il y a fait une pays fréquentité nous. Je dis hein. Faut nous dit bien. Il y a fait une payer. OK. Je dis hein. OK. Je dis hein. Faut que nous essayons de comprendre. OK? Je dis, hein? Nous comprenons que. Jodi an on essaie de garder que pays ça que complot ça qui fait sous li communauté ça qui fait sous li
depuis après bataille, depuis après, regardez, cal, yo bail avec, pi gros l'armée te gen à l'époque dans l'armée française, pour te battre nous indépendance ça, eh bien, on dit que l'Occident, les impérialistes, la communauté occidentale, yo pas jamais pardonné Haïti, yo pas jamais quitté Haïti. OK. Yo pas jamais quitté Haïti. Rivé, mais sorti dans sa lien là parce que son combinaison lié. C'est un complot que lié pour Haïti rester dans sa lien là. Pour Haïti à vivre ça la vivre là. Oui, c'est un complot que lié. C'est un combinaison que lié. Et je dis, je comprends que en pile secteur, en pile acteur, en pile groupe, doit être capable de comprendre que dans quel niveau que même tu mettez Haïti, la presse pas épanier, la presse que me la donne là, pendant des années d'expérience que me la donne là, il pas épanier. Et c'est un secteur qui fait en pile tout avec Haïti. C'est un secteur qui fait pile toi avec le pays d'Haïti. Fan Dibaga la Jean Lier. Quel que soit tes médias traditionnels, radio, télévision, et quel que soit aujourd'hui ces médias en ligne, réseau social, là. Nous faisons des torts. Nous arrangeons un bois, mais nous dérangeons tout l'autre bois. Nous arrangeons un bois, mais nous dérangeons tout l'autre bois. Et je veux dire, ça clair dans la tête, nous. Yeah. Je ça clair dans la tête, nous. Ah oui. Faut que ça clair dans la tête, nous. Et si je dis là, pendant que le pays arrive dans un calfou difficile, ça, si pas vraiment de décision qui prend, si pas vraiment de action posée, yon fois pour tout pour que pays ça, li sorti dans maras que le trouvé là, li sorti dans calamité que le trouvé là, et côté pour que coller les épaules, tout secteur, tout acteur, tout groupe organisé, baba non menti. Peut-être que m'ka mouri kounya, m'ka mouri après, m'ka mouri demain parce que m'pa vin faire Mathias Alain ou ça. Demain pour collaborateur Désir Venesse. OK. Sauf que n'a dit tête nous que génération qui vient après nous m'pa wè, nous pa wè avenir pour li qui assuré. Et si moun k'ap vini yo déjà pa gè espoir pour yo encore. Pa gè espoir pour yo. Ça veut dire je dis hein, ça me veut que chaque nous comprenne, ça me veut que nous garder, ça que me veut que nous questionner, ça que me veut que nous analyser, c'est ouais dimension problème qui gagne là, c'est ouais dimension situation qui gagne là, et ça qui gagne là li en pile, et ça qui gagne là li mande pour que nous prenne très au sérieux. Li mande pour nous prendre très au sérieux. Li mande pour que nous analyser. Li mande que pour nous capable garder dans quelle dimension. Dans quelle dimension que nous devons agir pour nous aider Haïti dans la souffrance que l'est là. En passant, eh bien, il y a un conseil ministre qui est organisé. Mercredi 18 septembre, non? Et à travers le Conseil ministre, il y a un ensemble de décisions que le conseiller prend, conseil présidentiel. Et puis, le gouvernement qu'on y a dirigé à prendre. Il y a un ensemble de décisions, ça, yo, nous joignent.
ça n'est pas prêlé décision pour ta sortie arrêté qui a nommé sept conseillers, sept personnages sous neuf qui pourraient former conseil électoral provisoire. Il était neuf, disons. Mais comme il y a deux secteurs qui ont des problèmes par yo, c'est secteur droits humains et puis secteur mesdames yo, femmes yo, et bien semblé capeter, hein, mettez avec gouvernement. Gen l'idée pour ta écarter deux secteurs sa yo et pour ta remplacer yo par deux autres secteurs qui pas gen problème pour ta voyer représentant yo à former conseil électoral provisoire. Et une fois que arrêté sorti moun sa yo installé prend fonction, yo pral commencer travail sur ça que n'est capable briller processus machine électorale. Loi électorale, décret électoral et travail question, tout ça qu'on est qui entre en dedans machine électorale que n'a parlé. OK? Ça veut dire là ça que me l'ken comprendre. Ça que me l'ken garder. C'est ouais dimension, c'est ouais ensemble de crises, ensemble de problèmes qui existaient jodi. Depuis 2016, si je ne me trompe pas, pas d'élection dans le pays. Depuis Sous-Priver, qui fait élection, Jovenel est arrivé président. Mais depuis le ça, bon, Jovenel pas de jamais fait élection, mais bien que l'idée était de mettre KIP campé, bon, nous connaissons ensemble de ça qui existait comme bouleverse, comme problème, comme crise, jusqu'à ce que Jovenel comme président arrivé assassiné. Mais ça veut dire de 2016 à 2024 là nous gagne 8 l'année pas jamais gagne élection en pays d'Haïti. Son pays qui en désordre total capital. Et kounya pendant que faut gagne élection certes, mais kounya n'a posé nos questions, c'est qui gagne élection sur le fait. Oui, il faut gagner l'élection. Nous d'accord pour gagner l'élection. Mais qu'on a c'est qui gagne l'élection ça après le fait? Les que n'a gardé ça gain là comme situation insécurité. Ah, voilà. C'est là c'est pigo question là. C'est qui gagne l'élection ça après organiser? C'est comment on va mettre bec bio électoral communal? BED, bureau électoral départemental. Ça veut dire ça, comment on peut arriver météo. Et si tout faut arriver météo, qu'on y a là, regardez. Parce que pour ça arriver météo et arriver fête, il faut que sécurité. Il faut réviser, regarder question 4 électorales. Qu'on y a là. Il faut que bon travail qui fait avec l'ONU. ONI. C'est ONI. C'est OE. Office national identification, ONI, qui parle l'ONU, c'est ONI. Regardez ça. Est-ce que vous pouvez faire élection avec 4 ça yo? Bon, que en plus, vous avez les 4 démologues, mais vous-même, c'est 4 identifications nationales qui me relèvent, et c'est ça le marqué sous lui. OK? Qu'on y a tout. Comment vous pouvez gérer ça? C'est pas petit. À côté des questions de sécurité, hein? Mais l'embral la question décret électoral, loi électorale, mais il faut que ça n'est les listes électorales. Il faut une liste électorale dans tout. Parce que liste électorale là, lui même faut regarder qui monde qui capable voter et qui est capable voter, dans qui zone pour voter. C'est pas blé plusieurs centaines milliers haïtiens qui pas vivre en Haïti encore. Et qui plusieurs centaines d'autres qui déjà mouri. En tout cas, moi-même, moi là, désir là, parce que moi pour gagner l'élection, faut me clair avec nous. Moi pour gagner l'élection, mais pour gagner sécurité d'abord. Moi pour gagner l'élection, mais pour gagner sécurité d'abord. Parce que, ouais, messieurs, dames, Gilayo, KPT et gouvernement Koni, yo connaît clairement, et c'est ça au propre comme engagement.
Et c'est ça où signe tout. Le 7 février 2026, il y a remet pouvoir, j'ai dit là, by un président ou bien une présidente élu. OK? By un président ou dis-moi une présidente élu. C'est eux qui disent, pas moi qui dis. C'est eux qui disent et pas moi qui dis. Et pas qui rallonge. Ariel te arrange, il rangel. Il fait 32 mois. Il fait 32 mois. Jusqu'à même 33 mois même. Jusqu'à 33 mois même. Et monsieur, ça va qu'il a 19 mois. Alors, il commence déjà. Depuis 25 avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Dans une semaine encore, nous allons prendre octobre. Ça veut dire, nous avons déjà pris parti pour 6 mois, 7 mois. Dans 19 mois que vous gagnez. On a nous gardé. On a nous gardé dans tout mois ça yo. Dans pas dans tout mois. Dans si reste mois crété yo. Parce qu'il m'a dit un an. Bon oui un an. Dans un an crété yo là, parce que bamba contrôler janvier 2026 parce que ça on va croire, pas même ça comme moi. Parce que janvier 2026 c'est dernier touche cap mettez pour commencer retirer quoi yo. Pour bail pouvoir avec pour bail paysan. Avec un pouvoir qui est élu. Pour que parlement, pour que sénat avec député. Pour que magistrat dans le cartel. Pour que Azek délégué de ville dans le cartel. Pour payer à bouger. Mais il faut gagner sécurité. Faut gagner la paix. Faut gagner tout ça. Faut qu'on garantisse que les gens sont capables de circuler sous Matissan. Faut gagner garantie. Que la vie reprend normalement dans le pays. Sinon, mettre là, et démagogie qu'a fait lui là. Sinon, frère, je te dis non, ça c'est démagogie qu'a fait. Si que, pour j'aime bagay déjà balancé là, mon cas dit c'est des bagay qui déjà mal parti. Pour j'aime bagay balancé là, moi qui a dit c'est de bagages qui déjà mal parti. Mal orienté, mal parti. Quand y a dit, yo mal orienté, yo mal parti, qui j'en nous prêt à gérer ça. Yo mal orienté, yo mal parti, qui j'en nous prêt à gérer ça. Parce que, baba nous m'a dit, pas qu'on troisième transition, non? Non, mon cher? Pas pour une troisième transition, non, messieurs, dames, qui d'ailleurs. L'idée pour une troisième transition, retirer la tête, nous. L'idée pour une troisième transition, retirer la tête, nous. Et ça fait, quel que soit le TKPT, quel que soit le gouvernement qu'on a, quel que soit l'autorité qui d'ailleurs, c'est dégager nous pour pacifier le pays, hein, mettre la paix dans notre pays, hein, et permettre que l'élection organisée, la vie reprend normalement, moun capable fonctionner comme ça droit, et puis pour faire élection, et pour pays capable fonctionner normalement. Et je dis à moi-même, mais ce pays est capable fonctionner. Parce que y a un pile haïtien qui besoin retourner la caillou. Y a un pile haïtien qui besoin retourner à refaire business, yo, à retourner à l'activité en Haïti. Je dis, il faut que moun ki la yo, faut que dirigeant ki la yo. Faut que vous preniez ça très au sérieux. Parce que, monsieur, la jab décaissé, la jab débloqué, n'a fait l'argent, n'a fait BDM, n'a fait ensemble de bagailles. Mais je dis, hein, faut que la sécurité, faut que la paix, et faut que l'action posée pour la vie reprendre en un pays, en amis internautes. Merci tout le monde. On l'a émis sur pareil. C'est vrai avec collaboratem des Ivenes. Merci tout le monde. Regardez ensemble de petites vidéos là qui viennent jouer le moins de monsieur militaire. Qui ça exactement dans la vidéo ça désire? Ça a dit, ça a rien là de même. L'explication de temps tout le temps dire ici, et force la médaille a avancé. Il a continué à faire progression dans l'espace qui cantonné, qui entouré, caille principale qui est barbecue gagné dans Delma 6. C'est ça que vidéo ça a témoigné. Et ça, c'est pas vidéo passée.
c'est des progressions que militaires en force armée d'Haïti a fait dans la date qui était 18 septembre 2024. Militaires motivés, mobilisés pour permettre que la sécurité retourne dans l'espace là. Selon militaires que nous parlons, selon policiers que nous parlons, ils disent nous, c'est tant y a que tant, où état-major, la MEA, avec le commandement de la police, c'est à faire chaque côté arrivé, ils sont obligés de montrer dans quel niveau que pénétration, dans quel niveau que intervention a fait dans le niveau Badelma dans l'opération qui a mené, qui a mis fin dans les bandits sans foi ni loi qui achetaient Badelma pour l'argent dans la poche. Pas oublier quand c'est ça, c'est barbecue, porte-parole, président vivant ensemble qui a dirigé, et militaire ont dit qu'ils n'ont pas campé. Dans l'ensemble espace sur les personnes, ou après des carcasses machines, des bouts de sac qui chargent tech, chargent sable, que les bandits ont été dans l'espace ça. Eh bien, la police, des concerts avec militaires qui n'ont pas l'armée d'Haïti, ils ont avancé pour continuer dans le résultat qui a bail là. Et selon militaires, ils ont tiré le résultat pas loin. Nous ne pouvons pas parler de gangs qui n'ont pas d'Elma encore. C'est ça que nous devons partager sous vidéo que Mounio pratiquement a regardé là. Direction centrale, police judiciaire, DCPJ, arrêté Jignon Altimé, semaine passée. Qui est Jignon Altimé? Monsieur Seyoun, non sécurité rapprochée, Premier ministre, Dr. Gary Conny. Information, ça t'a fait quoi? Il y a un gros marché gonflé entre Gary Conny avec responsable de DCPJ, après le fin de nouvelles qui ont arrêté agent sécurité ça qui était détaché à Kribles Person. Là, on peut comprendre, on est comme policier qui détaché avec chef CSPN, qui t'a prétendu dire qu'il y a une relation avec gang entre le pays à Kribles Person, ou à qui niveau que question insécurité a, il est capable de ramasser le pays, il est capable de finir avec le monde, parce que pas de monde qui est épargné dans ce qui a passé. Dans le Conseil des ministres, organisé pendant la journée 18 septembre 2024, là, c'est le président du Conseil présidentiel de transition, Edgar Leblanc-Fils, qui était accompagné avec membre du conseil, avec le premier ministre Dr. Gary Conny, qui présidait le Conseil des ministres. Là. Dans le Conseil des ministres, il a gardé plusieurs grands points, plusieurs responsabilités que vous avez pour prendre, surtout célébration faite en prière à Papa Nation, Jean-Jacques Dessalines, il a pratiquement essayé de garder 24 vignes là, pour garder comme jour février, blesse personne, pour ensemble monde prendre responsabilité, et selon décret qui était sorti dans l'année 2020, c'est ça que vous gardez qui permet que vous décidez sur question ça. Et pas jamais lié, que le gouvernement toujours été qu'embé, état d'urgence sécurité là, sous tout pays à blesse personne. Maslen Mitil, alias Arabe, monsieur débarqué, monsieur récupéré téléphone iPhone, que monsieur te compte tout le temps dit, commissaire Richemont te prend, et monsieur récupéré téléphone là. Il est passé dans le greffe, avocat monsieur passé dans le greffe, paquet là, il y a le directement dans le commissariat, il remet Arabe téléphone ni, blesse Peterson pour qu'on y a pas monsieur, après le commissaire Richemont vole le téléphone encore. Mais l'autre bagaille, Arabe déclaré, question insécurité qui n'en rentre sud pays là. Eh bien, son rise, pratiquement, il y a responsabilité dans ça, car nous, une question insécurité dans notre sud pays, c'est une grosse déclaration que Arabe fait. Est-ce que ça y a une vérité là-dedans? Ou pas qu'on est? Blaise, enterrement policier qui t'est mouru dans la zone Pabétiose. Blaise, c'est une intervention que tu as fait en bas. Enterrement fait dans le journée 18 ans, mais enterrement fini en quai poisson. L'église a obligé de fermer le micro sous Youn frère défait. Wisley Villefranche, vous pensez comme ça? Exact. Mais il est obligé de fermer le micro sur monsieur. Parce que monsieur était tellement à cracher vérité. Monsieur était tellement à dicoser avec le commandement de la police. Selon la famille, il a fait quoi? C'est un complot. C'est voué qui a été voué. Wisley a mouru. Parce que quatre policiers pas de canon, petit bout de patrouille pour aller dans la zone dangereuse. Et opération la police, il a fait quoi? Il n'a pas campé. Progression dans quoi de Bossal? En pile bandit tombé. En pile bandit valé à Denessensio. Même genre. Jean-Ernest Miscardin dans zone balle, il dit le pape campé, la continue frapper et département sud pays. Surtout, ni pays à la situation, il était comme prison et cimetière pour tout bandit qui pensait au cal fait ça ou blé, avec ça hôpital. Leslie Voltaire, vivait en délai pays après saut en République Dominicaine, son geste qui responsable chantier qui gagne pour avec question sécurité, il discutait avec M. Damien en force d'Amérique d'Haïti, il discutait avec directeur général police nationale d'Haïti, sous manière que le Conseil présidentiel de transition doit appliquer qui pour permettre que la sécurité reblaye en dedans pays à la situation.
N'a pas ajouté des Ivenes, gagné responsable dans la mission multinationale, là, surtout monsieur et Godfrey Otunge. Monsieur fait qu'on est que, bandit vivant sans mieux, voyez deux mouns, vous voyez plusieurs mouns des émissaires Jean-Réléon, à négocier, à demander autorité dans l'État, yon une trêve. Ça veut dire que, yon a demandé l'État, font si campo avec question opération menée au niveau Badelma. Dans tout pays, a dit yon contre bandit. Elle dit bandit, vivent ensemble, nèg yo mande l'état, nèg yo mande autorité yo, yo prêt, yo pa faire zam chanter nan ghetto yo, mais faut que yo même tout, yo poser yo pour pas mener opération au niveau Badelma. Et selon Godfrey Otunge, monsieur Clément dit que pas de question fait trêve pour bandi, pas de question dialoguer avec bandi et bandi yo gen choix ça, déposer zam, reconnaître autorité de l'état et l'et, et puis rendre tête yo bay la justice. Et puis, la justice a décidé avec vous. Déposer les armes, remettre les armes à l'État, rentrer les armes à l'État, et l'État, par la suite, a décidé avec vous. C'est ça, Godfrey Otunge fait qu'on est. Et vous faites qu'on est tout, il y a un ensemble de zones qui étaient sous contrôle des bandits armés. Et surtout, dans presque et Badelma. Et bien, moment n'a pas l'air national, ça fait qu'on est. Et bien, petit crasse par petit crasse, force de l'audio, a reprend contrôle espace sa yo selon Godfrey Otunge. Desi Venes n'a dit que gagné yon responsable ONM pour m'a dit bien responsable régional ou départemental ONM nan dans le nord mais bandi rivé assassiner monsieur alors moun yo pas rivé identifié assassiner monsieur et malheureusement c'est un gros coup pour l'état parce que c'est un cadre dans l'état et c'est un gros coup pour famille citoyen ça n'a dit Desi Venes en même temps tout que gen déplacé forcé qui yo même cap vive OK et exactement n'a dit que gen déplacé forcé cap vive nan niveau collège mix alpha qui trouvé nan rue 4 entre avenue Christophe et avenue N prolongée. Selon déplacé forcé sa yo, yo fait qu'on est que y a qu'on est de moment très 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 difficile. Et moment très difficile ça qui ça yo, yo pas yo gen problème de l'eau, yo gen problème manger et si moun ki nan espace sa yo commence à tomber malade des Yvelines. Et là nous dit collège mix alpha dans zone rue avenue Christophe rue 4 et bien tout près Piro collège mix alpha et bien c'est un côté gon rage gon ravine gon boîte chaîne nous songe c'est là presque chaque jour moun ka passe dans zone ça après jeune garçon ka ben dans san yo dans espace ça bien que m'da parle avec quelques amis yo dit que gen longtemps ça yo pas ouais que gen de moun qui yo même yo vinn tirer ou ben ka ben dans son espace ça mais pendant que pas gen moun y a vinn tirer dans espace ça mais citoyen k'ap viv dans espace côté exactement en dedans collège mix alpha yo mandé autorité yo tant pris souple voye je gade yo parce que situation difficile par dans condition y a viv en dedans espace collège alpha Désir Venesse le bagage Désir Venesse c'est samedi avec zami yo dans question politique gagné dans conseil des ministres qui organisé journée qui était mercredi 27, alors, 10 et 18 septembre. Dans le conseil des ministres qui était gagné, conseil présidentiel, tous les 9, et le gouvernement connu, non? Yo, on dit que, pral sorti, arrêté, pral nommé, ensemble de conseillers électoraux. C'est à doué 9 conseils électoraux, mais il y a 2 secteurs, yo estime que secteur sa yo, gè division nan mitan yo, mais gè pèl chance pour yo pa pour écarter secteur sa yo et pour ta remplacer yo par de l'autre secteur qui pou ta bay 9 conseillers en dedans conseil électoral provisoire. C'est secteur droits humains et secteur femmes. Yo estime que secteur sa yo gè 3 pa nan pèl nan mitan yo, et ben yo ta pensé que pour remplacer yo. Mais après ça, l'autre 7 secteurs, OK?
l'autre sept secteurs là, presse, université, culte réformé, et paysan, et l'église catholique, tout ça yo syndical, tout ça yo même vaudoui, vaudouan, yo accepté tous les sept secteurs ça yo avec ensemble représentant yo. Et à faire question écarté secteur droits humains, hein, li déjà commencé faire en pile parler en pile les Ivenes, nan mitan ou ensemble de organisation droits humains. Ça veut dire, pas oublier, l'élection qui a été faite dans le secteur droits humains, c'était OCNH avec POHDH, eux même qui étaient en charge de l'organiser, mais POHDH était déjà retiré l'école, parce qu'il était dit par les gens que OCNH a mené un processus, non? Mais l'élection a été faite, c'était M. Gédéon Jean, responsable 4 analyse à la commission qui était arrivé élu. Bon, malgré ça, nous avons dit clairement ça qui gagnait et ça qui passait des Ivenes. Mais quand même, toujours dit, que. Mettez campé conseil électoral provisoire la Seyoun. Mais puis gros bagay lan, c'est rive établir sécurité pour que la vie capable reprendre dans le pays. Parce que sinon, il va mettre conseil ça yo dans carré payant, a toucher l'argent, a jouer ensemble des privilèges. Même Jean que me songer et Jovenel te ta mettre au conseil campé. Bon, peut-être qu'il va te faire élection, mais ça veut dire mettez campé au conseil électoral dans moment pendant que moun yo pas consenti vraiment et question insécurité a pas résoudre et pour dire que ou pas mettre conseil là pour faire pour commencer mettre machine électorale en branle pour organiser élection, élection pour qui est, élection qui bon et qui est-ce qui va voter. Les que n'a gardé insécurité qui est là. Ça m'a pensé que le très important des Ivenes pour que nous analysions, pour nous questionnions avec les amis internautes des Ivenes. Ken Galvini avec Lionel Lazare, je viens de dire en déclaration qui lui-même parlait concernant ensemble de mobilisation, ensemble de action, ensemble de disposition que la police a pris. Pas oublier que Lionel Lazare, monsieur, c'est Popol a tué la police. Tant qu'il donc, il est venu après Michel-Ange Lujeune et monsieur t'a parlé sur Radio Télémétropole avec confrère nous Rodolphe, monsieur qui t'a interview ça concernant ensemble de dispositions, ensemble de travail que la police a privé faire là des Ivenes. Il n'y a pas tant de l'explication pour permettre que mon yotan de Lionel Lazare, parce que c'est eux-mêmes qui gagnent voix au chapitre, malgré ou après gagnent plusieurs monde qui dit que Lionel Lazare vient rentrer dans fait job sale là parce qu'ils estiment en pile fois que la police servit avec un pot de voyou pour dire des bagailles qui pas réel, des bagailles qui pas vérité, des bagailles qui n'ont pas fait. Nous-mêmes, c'est journalistes. Nous-mêmes, c'est les leaders d'opinion que nous avons. Nous permettons que vous tendez qui ça vous dit et qui avancez ou fait. Parce que responsabilité, pour permettre de gagner sécurité dans le pays, c'est la police qui gagne responsabilité. C'est vous-même qui êtes dans l'opération, c'est vous-même qui êtes dans l'intervention. Et c'est vous-même qui dit qui ça vous fait et qui ça vous pas fait. Nous ne pouvons pas parler pour vous de cette personne. Nous avons quitté Lionel Lazare, nous avons dit qui ça a fait, qui ça a pris, qui ça a préparé et dans le cadre d'intervention et coopération que la police a mené au de cette personne. Effectivement, des Ivenes, on va venir avec Lionel Lazare, qui est même, si j'en ai dit tout à l'heure, pour adjoint la police nationale d'Haïti. Et monsieur qui pral parler, j'en ai dit un ami Coco Frenon et Rodolphe de Radio Télé Métropole des Ivenes. Li bureau dans grand quartier général là, mais tout pendant que PM dans lui-même li t'a fait si marcher sur champ de Mars dans l'idée pour te voir un signal clair par rapport à toute déclaration que le fait à savoir reprendre zone, reprendre quartier, etc. Pas de gagner des tirs, mais immédiatement que PM dans lui fin déplacer environ une heure ou deux heures après gagner des tirs aux environs de champ de Mars là. Maintenant, question que un pile monde a posé, c'est tir ça dans centre-ville là. D'ailleurs, nous connaît que ça yo, est-ce que nous connaît que bon, effectivement, nous saluons tout le monde qui a pu suivre nous là. Et non pas M. Lionel Lazam, c'est porte-parole adjoint la police nationale d'Haïti. Et nous connaît que dans le cadre de priorité que le gouvernement li bail à regarder comment est capable de résoudre le problème d'insécurité. Nous connaissons que le Premier ministre là, avec le directeur général de la police, là, il a fait plusieurs visites déjà dans la zone la ville là, pour évaluer, pour garder comment l'opération même a continué. Même parce que c'est dans l'optique ça, le Premier ministre Gary Conin est descendu en bas pour assister, pour te garder, pour être capable de faire une comparaison entre les. T'es qu'on allait déjà avec journée jeudi, est-ce que gain évolution qui fait? Parce que ça permet que le garder l'LT à les premières fois, si quand qui est-ce que t'es gain monde qui t'es qu'on a fréquenté espace ça, et bien lui capable permettre que lui fait
parallèle entre un mois que l'allait déjà avec journée jeudi pour garder qui ça bagalaye parce que c'est dans optique ça premier ministre là tu es accompagné de directeur général de la police là yo te descend en bas pour suivre qui ça qui a passé et nous te ouais tout yo te fait une visite dans commissariat de Port-au-Prince côté que yo te rencontré ensemble avec avec policier yo pensais que PM nan qui c'est chef CSPN nan et qui donc ça c'est li gen responsabilité ça capable visiter policier yo parler ensemble avec yo pour garder état d'esprit yo garder qui problème que la police a gagné qui problème que policier dans commissariat ça yo a confronté pour quoi qui solution qui capable porter avec yo. Justement ou saute souligner pour nous que nan moment bon après que PM nan te fin fait et ti descend ça et bien te gagné des tirs et ou saute souligner pour nous que tir ça yo c'est par rapport à opération. Maintenant, si nous toujours été dans le cadre opération, yo, gain des opérations qui t'a mené en bas la ville, spécialement dans la zone Solino. Est-ce que jusqu'à présent, opération ça est toujours là? Est-ce que vous avez un petit bilan rapidement de l'opération? Jusqu'à présent, la police a continué avec l'opération. Ça a gagné près de 3 semaines depuis la police engagée dans un combat, dans une bataille pour regarder comment elle était capable de loger M. Bandio. Ni dans Badelma, ni la villa, ni dans Croix des Bouquets, ni dans Grissy, la police pas chômé jusqu'à présent, opération pas campé. Et il y a un bagage que en pile monde capable de constater que la police fait qu'on y a là, c'est il est arrivé, il y a fait opération. Il aurait été dans zone là, il aurait été dans zone là qui pour permettre que monsieur avec Zamio pas retourner encore. Donc on va parler d'une présence permanente. Effectivement. Et une équipe qui vient pour consolider. Effectivement, nous capables dire ni policiers ni Kenyans qui là qui viennent dans quatre missions ni militaires, yo une synergie qui fait ensemble pour gérer les sur place qui fait pour permettre que groupe ça qui tape travail jeudi à soit le fait 2 jours bien 3 jours bien gon l'autre groupe qui prend la relève, c'est en façon que alors ça c'est de nouvelles stratégies que la police utilise pour yo capable de mener opération yo. Au grand désir stratégie ça pour mon capitaine de garder là bien. Li mandé qu'il faut la police a gen moyen vrai, gen ressources. Il faut que li gen parce que gen ressources humaines. Gen ressources humaines. Gen moyen. Exactement. Avec ZAM. Exact. Parce que pas oublier nèg yo et policier ou bien soldat militaire ou bien la médaille ici bien l'autre et dans mission. Nèg yo besoin en si aller yo consolider espace là. Si c'est 1 jour 2 jours nèg yo a fait pas connait combien jours a fait hein. Pendant 1 jour 2 jours ça premièrement faut gagne un effectif qui pour capable remplacer faire bagarre là par roulement. Deuxièmement et faut assurer que si dans moment équipe cap travail là c'est dans moment ça et parce que pas oublier nèg yo pas aller yo comme si yo pas fait rien elle dit pendant nèg yo et yo présent dans espace dans périmètre yo il a progressé. Elle dit s'il a progressé, il m'a des matériels, il m'a des moyens, il m'a des stratégies. Et nèg yo là la journée coule la nuit, pas oublier non. Elle dit et pas seulement la journée nèg yo il m'a la journée coule la nuit. Donc ça c'est pour Badelma. Qu'on est là en garder faut les que la police a dit que il faut repousser tout monde nèg dans Badelma yo. Est-ce qu'on est prêt qui côté pour aller? Est-ce qu'on va aller village? Est-ce qu'on va aller grand ravine? Est-ce qu'on va aller dans quoi des bouquets? Est-ce qu'on va aller Grissier? Ça c'est des questions à poser. Et pas oublier qu'on y a n'a posé problème effectif là. En termes de ressources humaines, n'a posé problème matériel dans tout, qui pas encore répondre à des quoi. Donc, moi-même, n'a compris ce PAM, dans les petits PAM, et ça encore traduit avec stratégie, ça, li encore besoin plus moyen. Et ça fait si effectivement, selon pile monde, et mission multinationale, qui était, au te dit, t'as voué 2000 à 2500, et policiers et soldats officiers, bah, c'est que avec 2000-2500, ça, li t'a kabay résultat. Parce que, en sérieux, matériel tout, en sérieux, déployer 10 blindés, une dizaine blindés en dedans village de Dieu, c'est bon. Déployer une dizaine blindés dans la ravine, c'est bon. Déployer une dizaine blindés dans quoi des bouquets, ou bien une vingtaine blindés dans quoi des comme quoi des bouquets en pile, c'est bon. Déployer une vingtaine blindés en les peignes torselles, c'est bon pour moi-même. Pendant que, a qui moyen pour capable gérer opération aérienne yo. Parce que, pas oublier, et pendant 15 ça là, mais pendant 10 ça là, eh bien, pas oublier pas déplacer ensemble. Gédagon c'est qui déplace, qui entre dans la base, c'est qui remplace, pendant ce que ça là, la déplace. Donc tout ça, c'est dans la stratégie. Eh bien, il demande effectif, il demande tout ensemble de moyens, yo doit réunir pour
permettre que ni la police, ni l'armée et ni mission fait travailler les yeux. Si la police kembe tactique opération d'araignée qui est papier branché li tout partout qui a cherché objet pour le capturer, l'inspection la bail résultat et ou compte qui plus gros avantage qu'il bail, li permet que village pas ka sorti pour vinn et porter renfort bail si là qui dans Badelma. Li permet que Badelma pas ka aller dans Canaran, li permet que pas ka aller dans Solino, li permet que pas ka arriver dans ensemble limite que gang yo yon t'a contrôlé pour porter renfort bail l'autre. Kouni attend que j'en dise blessé personne, li pas ka fait avec des trois grains de balle. Li pas ka fait sans gaz dans machine yo. Faut gen gaz dans blender yo. Question moyen la venir sous toute forme, elle pas ka fait tout sans information. Faut gen information. C'est pour ça mariage police population, li important. Parce que gen axe que la police a privé ou bien militaire ou a privé, gen danger que ou cap épargné. Pour pas tomber dans tout, pour pas perdre temps, pour pas perdre monde, pour pas perdre matériel. Yo mérite gen information. Et je dis, dans quatre batailles, il faut que nous mettions accent sur le service renseignement qui doit au moins plus actif dans quatre batailles. Quel que soit côté, branche araignée à bras. Parce que moi-même, je qualifie d'opération d'araignée, côté la police, à éparpiller branche li, tout partout pour chercher ensemble objet. Ensemble, parce que moi-même, je suis un homme, je ne suis pas comme l'autre bagage, comme objet que moi. Parce qu'un groupe qui comporte comme des criminels, nous trois, qui pas épargné même femme yo même monde qui t'est levé même côté avec yo et monde ça yo il pratiquement permet que on regarder dans l'autre dimension. La police veut continuer et comportement police et militaire là li marcher les personnes moun yo n'a pas quelque chose témoignel moun yo pas cal la caillou du tout yo commencer qu'à rentrer la caillou. OK, mais nous même c'est pas commencer qu'à rentrer la caillou qui besoin parce que nous exigeant c'est pour moun yo k'ap retourner pour y aller vivre la caillou pour quitter camp côté ou y a des situations. Exactement, on avance avec Julien Lazare. S'utiliser pour yo capable mener opération yo directeur général la police là avec toute équipe li DCPA DCPJ tout l'autre monde qui dans bord là yo motivé yo d'ailleurs ouais que directeur général la police a toujours fait briefing avec policiers yo son façon que pour le cas remonter moral policiers yo puisque c'est pour un combat qui facile par rapport avec ça là jusqu'à présent dans minute que n'a parlé avec nous là opération yo a continuer soit dans quoi des bouquets dans Grissé dans Badelma ou bien dans Sartreville. Mais toujours dans cadre opération yo gagnent des affirmations qui fait quoi que t'a gagné un petit conflit entre policiers kenyans et policiers haïtiens yo et gagne monde qui allait plus loin pour faire connait que c'est t'a capable yon différence de langage côté que parfois les policiers kenyans yo même yo a parlé policiers haïtiens yo parfois yo gagne difficulté pour yon t'a comprendre l'autre. Donc origine conflit ça yo d'abord est-ce que gagne conflit en vraiment et si t'as gagné elle, qui vraiment origine conflit ça? Est-ce que j'ai affirmation ou voulez faire quoi là? C'est ta différence de langage là. Je ne crois pas que gagné un conflit qui existe vrai entre policiers kenyans avec policiers haïtiens. Le grand bagage pour nous retenir, c'est que puis on oublie que monsieur kenyan aussi anglais qui vous parlez et qui donc policiers nous yo c'est créole qui vous parlez. Ça arrive aux jeunes quelques policiers kenyans qui parlent un petit français tout petit et qui donc ça c'est une cause qui est capable de rendre le monde que soit pas une collaboration, mais dans ça qui est pour avec conflit, pas quoi que selon le constat que nous faisons, gens que nous avons, policiers kenyans, ils ont motivé, ils ont sensibilisé avec la police là, et peut-être en pile fois qu'on entendait des informations qui compte diversion, comme si pour montrer que il y a un problème entre la police et plutôt police kenyan. Mais est-ce que ou même déjà rapidement ou vivions ambiance entre policiers kenyan et policiers haïtiens, comment on a décrit ambiance là? Et nous pour moi-même moi pour vivre. Okay. Et faut que nous donc jodi a nous te rendre une visite dans base policiers kenyan, comme si pour nous te rencontrer avec responsable puisque moi vini comme porte-parole adjoint la police nationale d'Haïti, il était important pour nous rencontrer pour nous faire un petit parler avec eux, garder collaboration, comment que les capables de marcher et ils sont très confiants que il y a travail main en main
avec la police nationale d'Haïti pour yo capable de résoudre des problèmes de sécurité là. Maintenant ça qui vient pour avec conflit, nous pas quoi que gon conflit qui existe vrai entre police haïtien avec police sécurité. Voilà, justement, un dernier point que nous avons avant que nous mettions fin, c'est que il y a des informations qui fait qu'on est que t'as semblé que route Carrefour là il débloqué jusqu'à niveau centre-ville. Donc ou même comme porte-parole adjoint PNH là, qui sont capables de nous de information ça. Est-ce que c'est des informations qui vérifiées, qui vérifiables? Je pense que la police a travaillé. La police a travaillé pour garder tout grand axe nous, yo, comment que yo capable débloquer yo. Et donc pas quoi que nous gain fil en avant pour nous faire. Mm-hmm. Tout monde a constaté que travail que la police a fait journée jodia, c'est pas sans raison qui fait que directeur général de la police là venu avec sacré les mariage police population. Mm-hmm. Et nous voyons que son mariage qui a porté résultat. Et pendant les derniers temps, nous sommes capables de constater qu'il y a plus confiance qui fait avec la police nationale. Là, ou après que monsieur, les policiers ont livré une série de combats qui est extrêmement difficile, mais ça va permettre que monsieur décourager directeur général de la police là lui encourager policiers tout le monde qui n'en bonne recommandement la police là yo camper pour yo garder comment yo capable d'avancer avec opération yo. Justement ou pas démenti information hein, ni ou pas dit exactement de quoi il s'agit mais ou bail garantie que tout le monde qui tendait qui met en tête que vraiment gain des blocages là ou bail garantie que la police a travaillé au cas où des blocages a pas ta arriver pour t'arriver au cas où les arriver déjà c'est comment ça y est. Bon moi je pense que mon yo met très confiant dans la police nationale d'Haïti parce que la police a travaillé pour yo qui donc n'a pas quitté la police fait travailler n'a pas quitté la police fait et n'a pas prendre bientôt que route là les débloquer vraiment et je pense que le jour ça tout mon appel tout mon appel qui ça qu'a fait et c'est ça fait que après nous pas rentrer dans phase présenter bilan parce que le jour que pour bilan présenter à la présenter l'autre bail encore c'est que et pas qu'on est ce que nous ayons une vidéo qui virale sur les réseaux sociaux côté que gagne une dame ça veut dire là Lionel Lazare et monsieur vraiment et c'est très prudent. Bon c'est normal parce que pas oublier monsieur j'ai Michel Ange je viens dit ça tu fais une stratégie comme ça l'été t'a dit que ti bagay k'a fait gè gros bagay k'a fait gè ti vent gros vent il te dit pas gè ti bagay gros parce que ti c'est minimiser gros c'est fait grande gueule mais gon vent k'a soufflé et moi comprendre Lionel Lazare tout et moi simplement capable comprendre Lionel Lazare tout pour que parce que nous toujours dit ça moi avec vous. Puis même j'aime la regarder mes amis font commentaires amis a dit comme ça. Et j'ai des gens qui j'ai des journalistes qui travaillent pour PM nan, comme si cap voyait PM nan monter qui va faire un cap c'est moi commentaire bon pas que devait décider répondre mais comme désir avec là même pas mal répondre ni non pas faire un débat pour ça parce que c'est normal parce depuis que PM l'a parlé gars il connaît. Non, je pense que c'est PM qui dès l'heure que c'est il est désolé. Non, parce que nous c'est avec l'heure qu'il travaille parce que vous parlez depuis l'heure arrivé là nous obligé de travailler. Nous avons deuxième PM, nous avons sixième. Non, alors ça c'est ça, ok, parce que c'est avec l'heure ça qu'il travaille. Pour ne pas dire pas travailler avec PM ou bien AM. Mais si y a des 11 personnes qui l'a parlé, qui est docteur Gary Koni, m'a dit nous avons détrompé parce que moi Désir Venès, Blaise Peterson. Et nous, par contre, à l'avenir, si nous avons travaillé avec Gary Koni, mais Gary Koni, pour qu'on fait un lac, pour faire nous-mêmes pour nous travailler avec elle. Parce que ça n'a pas réclamé ses sécurité, stabilité dans le pays, Gary Koni, pour qu'on arrive là. Peut-être la fait effort, il faut qu'on arrive là. La difficile pour avoir un groupe monde et qui gagne Désir Venès, qui gagne Blaise Peterson, qui travaille là-dedans. Yeah. Parce que nous parlons de trop perdre trop de temps, oui, permettre oui. Que mon Dieu vienne répondre tout ça. Non, mais nous devons permettre qu'elle te comprenne ça. Non, mais ça me développe. Si je ne vais pas faire, je ne vais pas prendre ça pour un débat. Et parce que ça me développe comme si toujours dit, si au monde a suivi travail moi avec ou bien des temps, là pour que nous toujours dit ça, nous faisons sécurité à venir comme priorité. Nous. Dans toute émission, nous fait. Et c'est pas parce que raison c'est parce que nous toujours dit ça que faut gagner la paix faut gagner sécurité dans notre pays parce que ou même on doit cacher à l'étranger ou qui doit pas en Haïti ou doit pas que personne en Haïti
Et puis, où était des téléphones, ou des appareils, ou des réseaux, à vous émouter, ou qu'on prenne, ou à critiquer, ou à jouer. Mais si là, qui en Haïti, eux-mêmes, qui a vu la situation, hein, et pour y'en a parlé, et pour y'en a des changements, et pour y'en a des sécurités. Hein. Et même, je vous dis ça, je dis, je estime nous à environ 12 millions Haïtiens. Parce qu'il n'y a aucun pays là qui prend 12 millions Haïtiens pour mettre dans le pays. D'ailleurs, où est le programme pour l'humanité Biden, non? Bon, Haïti a rentré. Regardez les chiffres 4 pays qui entrent dans le programme pour l'humanité là. Nicaraguayen et comment, Vénézuélien, Cubain, Haïtien. Vous voyez, Haïti est plus qui entre dans le programme ça. Eh bien, quand c'est 4 qui avec sa crête à plus, tu es. Et un petit prélien qui entre dans le programme pour l'humanité là. C'est un petit prélien qui passe par Mexique et Nicaragua quand les États-Unis. Même là, tu as gardé ça qui est là des années, ça qui réside, ça qui citizen. C'est un petit prélien qui est là. Qui donc? Et l'en dit faut la ka gen sécurité gen la paix parce que depuis que sécurité pral gen investissement pral gen travail pral gen emploi pral gen job qui pral créer les si moun pral l'école jeune pral nan université ap gen travail ça veut dire n'ap go pays k'ap fonctionner k'ap bouger ap gen de gros infrastructure k'ap gagner ap gen route ap gen l'hôpital ap gen l'école les ap gen la vie nan pays d'Haïti et dans quel que soit secteur koyé yan ou ap capable fonctionner comme ça droit. Et les ça, on même qui dans diaspora, ou on va aller on souffre. Ah, on même qui dans diaspora, on va aller on souffre. On nous dit ça parce que les ça et comment frère tel, sœur tel, tati tel, tonton tel, maman tel, papa tel, pap trois et frère et voyez bah pour yo. Mais kounya là, parce que les bébés a fonctionné, on a travaillé, on a dégagé. Au lieu comme si chaque mois t'avoir un 50 dollars ou 100 dollars ben mon Haïti. Et puis l'elle finit par tourner mando encore. Et ben ou connait si gain sécurité gain la paix, on a fonctionné, gars mon cher. Intel, m'a vont 300 dollars pour, m'a vont 500 dollars pour oui, investir dans petit business. Ah mais où je nous ici, où je nous calme, on s'est calmé. Où je nous la paix oui, parce que mon ça c'est comme ça la faire, la gérer tête li. Ou a connait la bas à 500 dollars là exemple. La vie a pas trop cher. La pour un bel petit commerce avec lui. Et laisse ça, ou qu'a toujours supporté, mais pression chaque mois, chaque semaine, chaque week-end, semaine de joie, ou à voir les baliens, là, on t'y j'en cale, là, on t'y j'en diminue. Parce que, on même qui, peut-être Canada, la France, États-Unis, côtoyen, et chaque 15 semaines de jour, paye caille, chaque mois, paye caille. Ou à paye caille, ou à paye bill, caille, bill machine, bill courant, bill ceci, bill cela. Parfois, ou t'as qu'à dire, mon Haïti, littéralement, de même 50 dollars, pas qu'à vous, même 50 dollars pour lui. La pensée est probable. La pensée, c'est comme si c'est méchant avec lui. Et vous t'as pas froid. 50 dollars, ça te ka Haïti, le mette gaz dans la machine. 50 dollars, ça te ka servir pour payer Uber avec lui. Vous t'as payé bill téléphone. Non? Mais parfois, obligé, quand même, avec 100 dollars, gen dans mon an, vous voyez 50 Haïti, ou payez un bill 50 dollars États-Unis avec lui. Donc, je veux dire que nous comprenons ça. Je veux dire que nous gardons ça. Les que moi désire dit que nous pour que sécurité dans notre pays pas oublier madame Sarah yo gère moun la là qui c'est de madame Sarah gère moi qui c'est de cultivateur bon il va parce que l'état fait pour yo comme si elle travaille dans l'état non mon cher moun ne connaît que li comment li gère tel la travail là hein li gère tel la travail la planter là la planter diri la planter maïs la planter si la planter ça les récoltes li bon mettre là aidez. Ligue moi un homme là pour voir vendre la ville, voir vendre dans marché bordé, pour le cap entre n'importe 50 à 60, alors 50 à 60 000 et à 60 000 goud haïtien, n'importe 100 000 goud haïtien, 200 000 goud haïtien. Ah oui, car il dit que mon gars besoin, que mon gars si paye à fonctionner, surtout mon cap travaille la terre, qu'il t'y bat avec qu'il t'aime dans ça, y a pas besoin de travailler avec moun. Ben en pile nan yo, c'est avec ça la terre travaille là, y a fait éducation pile nan nous, qui joue avec une gros volant dans l'état. Qui vient gros voler dans le ministère, qui vient gros voler dans le palais national, et même tout, malgré tout ce qu'il a fait, même les gens qui ont fait ça, ils ont toujours dit, c'est dans cette carrière sorti. Je dis à moi, c'est que, les que nous disons que faut gagner sécurité, parce que nous, que tout pays qui a avancé, d'abord, premier sac doit gagner ses sécurité. Tout ça qu'on fait comme investissement, comme infrastructure, tout ça doit fait d'abord, faut gagner sécurité. Faut gagner la paix pour pays capable fonctionner pour capable fonctionner normalement. Je dis un pays fermé, pays bloqué, pays fermé et vous d'accord ça pour accepter ça. Moi même là comme si il y a d'activité qui fait là, nous venons avec vidéo là bon, c'est normal d'ailleurs pas me pose depuis au fin m'a fait c'est normal. Journaliste là pour l'informer nous. On télévision là parce que le fait qu'on regarde nous à la fois on média audio, bon mais audiovisuel. On peut regarder nous mais faut une bonne image. Oui. Une bonne image.
On comprend? Je vais vous dire ça, désir, venez. Et je te dis en désir, nous allons venir avec les citoyens, c'est un frère, un proche. Un proche policier, Wesley Villefranche. Monsieur qui, exactement, en termes de police à Chate Jeunin, exactement qui c'est mercredi 18 septembre, non? Mais, et grand frère, monsieur, qui vraiment, dit à pile causé, non, bah, ça. Qui dit à pile causé, non, bah, ça. Peut-être, ma connaît ses qualités sont à bon, mais quand même, bon, c'est que, non, regardez pour nous, deuxième. Plus pour me dédier que ça, nous prenons l'air. Désir, ça est vraiment c'est véritable réalité que tu gagnes dans funérailles. Policier et Wesley Villefranche n'a pas changé, monsieur qui était mort. Et je crois que c'était dans le commencement mois septembre, non? Ok. Et côté que monsieur, il était dans un backup, Zorekin, CMPAP, BICMPAP, Port-au-Prince, qui lui-même, tu as le pantan
dans zone peut-être Magdoambois si m'bat trop peu Mekamo sous plusieurs bandits qui étaient même cachés dans quelques périmètres et malheureusement pour policiers ça yo et bah comme ça t'as le patron sous policier sous bandit yo malheureusement pour policier Wesley Villefranche qui était après recevoir une balle. Je crois que c'était dans 5 ou 6 septembre, si je ne me trompe pas. Et puis, bon, malheureusement, il est mort là pour là. Et il y a le policier qui est blessé. Bon, c'est jeudi qui s'est mardi 18 septembre, non? Mercredi, pardon, 18 septembre, non? Qui est funérailles Wesley Villefranche chanté. Dans l'église à Terre, si je ne me trompe pas, sous Delma. Côté que vraiment, c'est un frère qui a parlé avec un peu de frustration. Pas, parce qu'il est bien dit, de vous faire métier des armes. Dit qu'on est clairement gué de bagaille peut-être qui capable rivo soit que oui ou grand monde si vieille dans job là ou vite est-ce que faire retraite ou pas capable encore et puis ou dit moins ou métier avec travail ou et puis ça arrive aux victimes mm-hmm. Wesley victime c'est peut-être lui-même dans deux options c'est bon, puis mauvaise option criminel c'est mourir malheureusement tout le mourir c'est pas bandit armé babal bandit armé parce que pas oublier chaque policier yo risque vie yo comme job la mandé ou ça pour yo protéger la vie pour sauver la vie et pour sauver bien et comme ça lié chaque policier li risque propre vie pal li quitte madame petit li peut-être cap dormi dans cabane parce que pas oublier là ou même ou dormi là ca le soir policier obligé ap veiller pour mandi pas envahi ou comprendre bien ça me dit hein elle dit là ou même ou là ca ou bien passer la nuit ou prend petit plaisir madame petit tout ma connait ou bien madame Zalian mais policier il connaît il ont job il prend engagement qui c'est protéger la vie moun protéger vie ak mes moun et ben il obligé dans chablendi hein il obligé dans backup là il obligé dans pickup là à protéger la vie ou là ou même une activité au coup de la journée on prend le travail ou prend dans business ou prend madame Zalian policier pas contre qui est souillé mais on dans la rien la protéger la vous dans la rien contre mauvais à tout faire contre mauvais affaire. Chaque policier son héros, chaque policier c'est une héroïne que vous voyez. Faut nous reconnaître travail ça yo. Faut nous reconnaître tout c'est vrai qu'on est grand plus mauvais grain dans la police ça c'est pas nous dit mais c'est des études qui faites mais ça qui bon grain et ça qui risque pas peu braver danger gain là, pas oublier non. Dans moment ça ça gain là comme situation insécurité hein, pendant que des bandits à cravate, yo créé ça ba nous là comme réalité comme des monstres, OK? Et puis qui est-ce qui a mouri? Qui est-ce qui a victime? C'est même nous-mêmes, petit terre, qui semblait avec nous encore. OK? Qui semblait avec nous trois encore. Donc, je dis, hein, semble que chaque monde connaît. OK? Vous comprenez que? Et, nous comprenons que, c'est réalité que je dis, hein, c'est faire nous comprendre que son réalité qui permettent que réalité à lui-même li a géré comme ça. Mais en comprendre que je dis hein, policier yo, militaire yo, bon même mec qui vient là dans mission yo, bien que c'est des mercenaires yo, OK, mais quand il a exposé la vie yo, il a risqué la vie yo pour que yo capable, il a fait un job oui, il a payé pour ça oui. Mais est-ce que la vie gagne prix? La vie pas gagne prix. La vie pas gagne prix. Donc, on va dire que paye pour ça, oui, certes, mais la vie va gagner prix. Quel que soit côté lié à la vie va gagner prix. Même un médecin qui l'a dans sa l'opération, qui a opéré, il connaît la vie va gagner prix. Donc, quelque part, faut que nous honorer le travail policier, quel que soit leur vivant, quel que soit leur mourir des événements. Blaise, travail yon policier, et on conseille yon dans job après professeur qui t'a touché plus l'argent. Parce que, les gars avec un zam nan men, li pral affronter des groupes qui gen zam nan men. Pour qui est-ce? Pour moi, pour vous, pour lui, pour nous tous. Pour nous gagner sécurité, pour nous vacuer avec activité. Mm-hmm. En plus, fois, yo perdit la vie en cadre d'opération. Ainsi, si yo même blié, si yo te gen petit avec madame. Comme nous, le gouvernement qui l'a, et y a parlé de ajustement salarial pour policiers, nous disons bravo, parce que la situation est grave. Dans le contexte qui a mené ensemble l'opération. Surtout, je dis, c'est des kamikazes, c'est des terroristes qui nous gagnent en dedans pays d'Haïti. Qui ont des âmes dans le qui pas gagnent ni maman, ni papa, ni frère, ni sœur, qui pas gagnent nationalité, qui pas gagnent religion. Ils ont fait n'importe bagaille, n'importe qui côté, n'importe qui l'est, sur n'importe qui monde. Pour quantité de territoire qui n'est que ça au plan, pour quantité d'espace qui n'est que ça au contrôler,
pour que c'est exaction que vous faites sur le monde qui vit dans la communauté, eh bien, moi-même, pense que la police, dans différentes unités, que nous qui arrangé, qui initie dans le en bataille, dans combat sans fin, pour mettre la sécurité dans le pays, nous besoin garder comme des héros. OK? Vous pratiquement risqué pour permettre ou même ou dormir bien. Vous risqué pour permettre qu'on traverse axe qui a facilité. Je veux dire, est-ce qu'on pense policiers aussi ont une capacité ou t'a quitté ensemble grand axe barré ou pas quoi que t'a quitté toute tête yo pas t'a quitté grand axe barré parce que principale mission yo c'est permettre qu'on traverse garantir sécurité la vie avec bien depuis un bon bout de temps disparaître parce que ensemble monde qui a géré l'état qui a géré la police hein, yo démettre des connivences avec gang yo rendre que situation vient difficile jodi un bon directeur qui vient en tête la police qui montre au moins li pa gen appartenance avec chef gang yo qui c'est nèg qui dans secteur privé des affaires li pa gen appartenance avec nèg qui c'est chef gang qui dans et politique traditionnelle dans pays a ouais gen quelque avancé qui a essayé fait qui voye yon l'autre signal qui permet je dire que au cap tendez que gang a cherché terrain de négociation avec autorité dans l'état y a délégué des émissaires pour al discuter pour yo parce que yo peur sous ça qui yo wè qui a avancé vinn jwenn yo là parce que rive comprendre que bagarre la pas piti yo wè que militaire yo pas me déplacer yo wè que policier itag soit bri boy de qui dans espace yo pas me déplacer si yo font déplacer on l'autre groupe vinn remplacer li ba go quelque cassé jodi en population besoin reprendre confiance que yo te gagné il fut un temps dans la police qui yo te perdu a qui je reprend c'est à par rapport avec travail qu'a fait là je dis c'est ce qu'on vit dans camp la police ou quitter camp diable là malgré nous dans Badelma il y a des périmètres que la police pour arriver il y a des images que n'a regardé nous on a quel niveau que nèg doit utiliser population ti monde tant pour grand monde pour venir ériger les barricades avec carcasse machine contre la police et nous apprendre des monde qui a perdu la vie là dans Badelma des monde qui parle venir participer dans modèle activité ça yo que bandi a balle dans tête pour tuer yo. Ça veut dire l'État a besoin d'accélérer en plus. Parler de hélicoptère qui a venu pour sauver la vie, bon côté chef du gouvernement, Blaise Peterson, si hélicoptère a venu, si c'est empêcher l'opération d'envergure fait, que vous accélérez et augmenter sous vitesse opération pour protéger quelques graines de vie qui n'ont espace côté qui gagne. Parce que tout le monde qui vit dans le quartier gagne aujourd'hui, hein. Blaise, c'est soit vous quittez ou bien vous décidez de faire partie de la. Parce que gagnon ouais ou pral mouri pa gen rien la situation qui ou pa fait là y a éliminé quel que soit bagaille y a éliminé quel que soit monde c'est ça fait que nous pas doit jouer opération pas doit faire dans mode la guerre dans courir aller et puis bandi a prend surface kembe jan hier sans doute dans quelques mois et question insécurité a n'a privé l'aller en souffle et pendant opération ou a fait port aéroport frontière yo yo de continuer gain surveillance qui a pété sur yo pour zam ak munition pa venir rentrer dans pays ya Jean Rebel dossier n'a pas dit qui est ce qu'a vendre zam yo qui est ce qu'a vendre cartouche yo mais kounya nous même qui dans l'état qui dit nous pas dans gang nous dit mission nous c'est rétablir sécurité en dedans pays ya et bien arranger permettre que sécurité a rétabli à travers comportement qu'il a gagné surtout contre nèg qui a venir vendre zam en dedans pays ya les personnes est très facile nous cap faire ça nous cap faire. Il y a des gens qui préparent pour bailler coup de pénal ça. Il y a des experts en dedans pays qui parlent pour aider. Mais en pile fois, est-ce que l'autorité parle pour recevoir aide? Sans doute, pas quoi que vous parlez, pas quoi que vous décidez de recevoir. Peut-être bonne raison pour ça. OK? Je dis, hein, c'est pas à pas. Si pas, il y a avancé pour résoudre le problème qui est en dedans pays en blessé. Et nous croyons que la police est capable. Nous croyons que la médaille est capable. C'est mettre plus de moyens, avec plus de détermination, avec volonté politique. Et volonté populaire n'a pris le problème dans les situations. N'apprenne que des Ivenes qui information cinquantaine, officiers et soldats Force Armée d'Haïti, qui t'a fait pour faire très bientôt, et c'est la France qui prend ça en charge pour capable former et davantage une cinquantaine officiers et soldats de l'armée d'Haïti. Et c'est ministre haïtien défense Jean-Marc Bernier, Antoine, qui lui-même a annoncé ça. Et dans quatre visites qui étaient réalisées lui-même avec un ministre et ministre, alors ambassadeur pays de la France en Haïti à M. Antoine Michon, mercredi qui était 18 septembre 2024 là, et ont profité visiter base militaire FADHO dans Klessine, en mardi et jeudi.
Alors mardi mercredi, yo t'ai profité visiter ensemble espace ça yo et yo t'ai profité exactement mettre accent focus sur ça nzian là question qui gagne pour avec information, yon cinquantaine officiers et soldats force l'armée d'Haïti que pour le former et bon, ma connais si c'est ici a fait formation pour yo. Ou dit mais est-ce que c'est la France pour aller? Bon, nous pas connaît, c'est exactement ça que les Yvenes que nous-mêmes nous apprendre et qui vient joindre nous là Désir Venesse. Désir Venesse n'a apprendre que là et dans question conseil ministre qui organisé journée qui était mercredi 20 et 18 septembre là conseil ministre les mêmes dans quatre conseils ministres mercredi 18 septembre là qui était réuni en séance régulière sous présidence conseil là. On a parlé de Edgar Leblanc-Fils et qui t'a accompagné avec conseiller président yo, M. Smith Augustin, le Gérald Gilles et Fritz Alphonse Jean, Leslie Voltaire, Frinel Joseph, Emmanuel Vettilaire et Premier ministre Gary Conny, ensemble avec membre gouvernement, vont arrêter qui suivent, qui nommer et qui pourra adopter pour capable créer arrêté qui pourra porter création, organisation et fonctionnement commission vérité, justice, réparation. C'est bien que yo pral mette campé en commission vérité, justice, réparation. Est-ce que la légue table région Guy Philippe? Est-ce que Guy Philippe t'a parlé de question commission vérité hein? Hein? T'a parlé de commission vérité. Afin di bagala clair tout. Guy Philippe c'est m'pa konnè mais peut-être c'était premier monde qui quitté. Alors c'était un homme qui était fait en pile parler de causer ça, l'été dit que faut une commission vérité qui mettait pour capable pas nèg qui des zam nan men yo. Pour yo dit qui est-ce qui ba aux zam nan? Qui je fait gen zam nan men yo? Parce que pas oublier, je dis en Haïti, nous toujours parler de bandi à sapate et bandi à veste. Bandi à cravate et bandi à sapate. Et bandi à sapate qui gen zam nan men yo et pas gen zam nan men yo comme ça. C'est bandi à cravate qui ba youl. Mais faut qu'on qui est-ce qui ba youl. Et bien moun qui fait partie comité ça qui n'a gardé en bas nous la Désir Venesse. M'a regardé pour moi. Moi Gadi Maisonneuve. Gadi Maisonneuve qui est même c'est responsable centre Carl Levêque. Gagné Marie Esther Félix. Renan Edouville, protecteur citoyen. Marie Élise Brisson Gélin. Au Saint-Jacques Benjamin. Marie Yannick Mézil Lérisson. Monsieur, alors Paul Rachel A. Cadet. Arrêté qui nommé membre conseil électoral provisoire, qui est déjà. Et qui va fixer mandat, non, permettre que vous prenne des dispositions pour organiser l'élection. Eh bien, qui est-ce qui fait partie du conseil électoral provisoire? Mon avant, c'était pour question de commission vérité. Mais dans le conseil électoral provisoire, nous jouons Gagnon et Mamgade, Gagnon Schneider Adélie, qui est représentant de la communauté Vaudou, représentant Vaudou dans le conseil électoral provisoire. Patrick. Alors, pile la bagaille ça, mais c'était son. Quelle revendication, moi, mon a réclamé, mettre Newton Saint-Just? Non, mais il mettait MCD, mon cher. Mais c'est ce côté, mon cher. Ça, on a fait, mon cher. Et mon yon qui m'a dit, Newton Saint-Just, il va te chuter. Mon yon qui m'a dit, Newton Saint-Just, il va te chuter. Qui donc, il va dans Newton. Newton va vous deux ans, vraiment. Ça, vous faites qu'on est. Eh bien, il a accepté Schneider Adélie, représentant communauté Vaudouan. Patrick Saint-Hilaire, représentant conférence épiscopale d'Haïti. Peterson Biel, lui, représentant culte réformé. Et puis, alors, Marie-Florence Mathieu, représentant conseil universitaire. Jacques Desrosiers, représentant association journalistique. Jacques Seus Joseph, je crois qu'il était dans le dernier conseil qui était organisé l'élection sur Jovenel, là, c'est Madopim. Conseil qui était organisé l'élection sur Jovenel, là, Jacques Seus Joseph était là-dedans. Moi, je suis député de l'ESA. Moi, je suis député de l'OASU, même pas qu'on est. Mais Jacques Seus Joseph était dans le conseil, ça, c'est Madopim. Et Sanon Emeraude, représentant et syndicat, elle dit mon syndical, là. Conseil électoral provisoire, là, l'État doit composer de 9 membres. Mais pour compléter l'autre 2 membres, mais t'as des droits humains et puis Famio, eh bien, vous connaissez que vous parlez en pile dans mes dames avec Famio, j'ai barré la vigne là, ça va être très difficile.
Et dans même ça toujours des Yvenès, semblé gay arrêté qui nommé citoyen Jean-François Thomas, directeur général Agence nationale Air Protégé ANAP, Jean-François Thomas, monsieur nommé comme directeur général et Agence nationale Air Protégé ANAP. C'est pas après contrôle avec des sapions. Bon, nous va regarder pour nous. Gagné citoyen Guy Roméo Latry, directeur général ministère planification à coopération externe. Guy Roméo Latry, directeur général ministère planification à coopération externe. Et arrêté qui déclaré lundi 23, alors mardi 24 et mercredi 25 septembre 2024. Non, jour, bon, jour d'œil, ça y est, à 3 jours d'œil pour nan mémoire moun qui était mouri dans l'explosion, drame qui était fait dans Miraguane. Et pas oublier, vendredi 4-21 là, li ap congé parce que c'est jour et naissance Papa Nation hein, qui c'est Jean-Jacques Dessalines. Des Yvenès, on va avancer parce que nous avons fini d'ailleurs. Bon, parce que je dis li important que nous garder à travers le conseil des ministres des décisions qui prend, qui s'acquiert au Galpoté, sans doute citoyen ça on doit au bénéfice d'autre pour nous retenir et au moins 90 jours ou bien moins c'est 90 jours pour nous qui s'acquiert au faire pour changer de nio parce que administration publique a besoin de serviteurs. De serviteurs qui parlent pour venir servir, qui cap transformer situation. Ou pas besoin de trop gros bagaille pour changer situation, il suffit que vous avez volonté ou pas décider de venir voler. Ou pas décider de venir faire corruption, ou pas décider de venir craser pays, même gens, on paquet l'autre qui l'a déjà arrangé ou qui a fait. ANAP, c'est une direction qui est importante, parce que je dis à un groupe qui avec des gros âmes dans les qui gagne dans la rue, qui pas regroupé, qui pas pressé voir l'autre pièce côté. Il besoin un monde qui pour prendre contrôle, M. Bessapio, et si tu es l'État, si l'État a fait un bagage, c'est livré. Ou quand tu es monsieur qui n'a pas sa pique exam dans yo, yo t'a arrangé pour créer une cellule, pour faire des formations pour yo, par contre, c'est un corps spécialisé que yo t'a créé pour entrer dans la bataille qui a mené contre la sécurité dans le pays. Mais malheureusement, l'État sont l'État pompier, sont l'État sans prévention, qui d'accord, n'importe qui bagaille qui a privé, yo l'a dit monsieur dans la rue avec exam dans yo, et songez. Tout le temps, t'as dit, n'est qui gen zam nan men, pa prete grand goût avec zam nan, les situations, le grand pile prudence qui fait en dedans pays, par rapport avec moun kapote ça. Li clair des yeux par rapport avec ce bisap nan fò ke moun ki yo mete a fò son moun de caractère, son moun ki kwa konnen et bon monsieur certain son moun ki kapab mande job la déjà en dans boîte l'état en dans boîte ça déjà kap konnen comment pour capable manœuvrer monsieur parce que j'en dis hein et ki ban les exam ki je dis a peut-être gars qui comprend fò ke yo capable gérer dossier ça gérer situation ça mais en même temps tout désir question conseil électoral provisoire là qui va mettre en là monsieur en pile critique fait des en pile cas et puis passer déjà en pile critique fait de en pile cahier puis passé déjà est-ce que ça va servir la différence est-ce que ça va faire différence là parce que je dis hein c'est vous qui mettez nos camper là mais ça va gagner élection vraiment parce que nous je dis ça pour gagner élection et vidéo a venir joindre nous image a venir joindre nous comment que monsieur la médaille tio nèg je mettez pied à terre nèg pas arrêter dans chat. Nèg yo mette pied yo a terre. C'était bien samedi. Et dans l'autre émission n'a pas pour nous faire yo, n'a point image côté que monsieur la médaille ti yo, nèg yo mette pied yo a terre, ça veut dire que yo pas arrêté en double ndé yo, yo mette pied yo a terre dans tout couloir, dans tout corridor, y a cherché désagrément, y a cherché mauvais grain, y a cherché mauvais jet tout ka bay problème. Et qui t'est décidé de prendre Mounan Badelma en otage. Ça veut dire que mobilisation pour déraciner, mobilisation pour déchouquer Badi Améo, criminel notre yo, li pas campé dans Badelma et li pas campé dans divers côtés dans région métropolitaine Port-au-Prince nan. Parce que pas oublier en pile question continue à poser. Est-ce que la police a mené opération? Est-ce que force de l'audio a mené opération? Est-ce que l'armée d'Haïti mobilisé? Est-ce que l'officier Kenya a mobilisé? Et ça passe et ça gagne? Je dis, hein, nous avons dit que pour jeudi mercredi 18 là, eh bien, mobilisation pas campé. Et image virale que nous sommes capables de voir que force de l'audio a progressé, a avancé. Pour garder comment yo capable Jean que PM nan te dit là reprend contrôle paysan
caille en caille, quartier en quartier, ville en ville. Pour me répéter PM, Gary Kouni. Nous allons regarder ça en détail. Nous allons analyser ça et nous allons regarder tout. Analyser et de comprendre déclaration pour Paul adjoint la police. Non? Nous avons parlé de Lionel Lazare, monsieur qui a parlé sous métropole. Et monsieur fait qu'on est que la police, bon côté pâle, a intensifié opération yo, bon côté l'armée d'Haïti, bon côté mission. Parce que, m'a vle dit officier Kenyan Kounia, parce que, pas oublier, gen soldat militaire de l'armée jamaïcaine, même je gen de police jamaïque qui l'a, gen soldat de l'armée belize qui l'a, que donc, m'a vle dit, et Kenyan, m'a dit, mission. Soldat, officier, policier, nan mission. Laisse la pi, fait pi bien, que m'dit Kenyan. Et nous allons analyser tout, question, yon note, déformation, m'a dit comme ça. Yon note déformation que service communication mission multinationale soutien sécurité à Haïtien mette dehors dans date qui était mardi 17 septembre 2024 là. M'regarde pour me lire note déformation ça pour nous et nous regarde pour nous garder tout quelques paragraphes quelques séquences en termes déformation que service communication mission relayé en dedans notre déformation ça nous pas venir pour nous démentir pour nous dire c'est vérité mais nous qu'à questionner ça que yo dit à travers notre ça et même en dedans notre déformation ça que service communication mission mettez dehors yo fait qu'on est que non paragraphe bandi yo tellement senti que bagay la chaud pou yo parler de vivre ensemble yo nek yo voye des émissaires à négocier à demander une trêve bon côté autorité yo tendez bien ça me dit hein m'a cité ça dire de nos notes de formation que mission multinationale a metté dehors yo fait qu'on est que m'a cité. Ok? Ok? Yo fait qu'on est que bandi yo, yo même, yo mette, yo voye des émissaires, yo voye de moun à négocier pour yo. Parler avec l'État pour yon, nan plus haut niveau, pour ta gen yon trêve, nan mode opération que force de l'ordre mené contre yon. Pabli, c'est nan niveau Badel Mayoué. Mais gen de côté yon beaucoup vraiment touché. Gen de côté yon beaucoup vraiment manye. Est-ce que nous m'en dit yon? Gen de côté yon beaucoup touché, gen de côté yon beaucoup manye. Ça veut dire que, ensemble côté yon beaucoup touché yon, ensemble contre beaucoup moyen yo y a fini bon m'pensais que moi était croyais que y a fini na compréhension pam na observation pam na lecture pam OK n'a pas regardé ça nous voir ça et nous va analyser tout nous va questionner peut-être même qui est le show médiatique. Visite PM nan fait nan BRH en bas la ville. PM nan ki mette casse nan tête li mette gilet. Bon, cette fois c'est gilet, ça pas trop petit boulet, non? Et ça...